إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. وبالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له عليكم. مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمد عبده ورسوله. السلام عليكم صباح عبد العزيز. عليكم comment tu vas? الحمد لله، merci beaucoup، merci pour d'être venu. Et je sais que tu es occupé. Et juste si tu peux tourner un peu la caméra parce qu'on te voit en position horizontale. Voilà. Attends, hop, voilà. Je vais essayer de la remettre un petit peu mieux. Excuse-moi, les détails techniques du début. Ouais, pas de souci. Donc, voilà, aujourd'hui, un live avec Abdelaziz El Mansouri. Il va se présenter lui-même. Je rappelle que vous pouvez poser des questions en bas du commentaire et Abdelaziz, il répondra, Inch'Allah, à la fin de ce live. Donc, le live va durer environ une heure. On a préparé cinq questions. Après, il y aura peut-être des sous-questions ou d'autres. Donc, la première question, la différence entre la médecine conventionnelle et l'approche en naturopathie fonctionnelle. Quels sont les outils d'un naturopathe? Quelles sont les approches? Pourquoi parle-t-on chez vous de naturopathie fonctionnelle et non pas juste de naturopathie? En quoi la naturopathie peut-elle être utile? La naturopathie traite-t-elle des maladies? Donc, Abdelaziz, merci encore d'être venu. On va commencer merci à toi. Par la première question. C'est notre premier live et on va faire, Inch'Allah, notre live. C'est très important. Donc, Raqi, naturopathe, magnétiseur, coach, etc. Ils sont tous dans le domaine de la santé, de la médecine, si vous voulez, prophétique. Moi, je ne suis pas pour cette appellation, je suis pour médecine humaine, pas de religion, hein, que vous soyez musulman ou pas musulman. On n'a aucune différence sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Pareil pour Abdelaziz. Abdelaziz, on commence par te présenter avant, après la première question. On va peut-être déjà commencer peut-être par me présenter, donc ce sera plus correct pour que les gens comprennent qui je suis. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Abdelaziz El Mansouri, je suis naturopathe, nutrithérapeute. Je dirige aussi une école de formation qui s'appelle Innov Naturopathie, où on forme à la naturopathie, la nutrithérapie, la micronutrition, l'aromathérapie, phytothérapie, etc. Donc, comme tu le disais juste il y a quelques secondes, en fait, on est des adeptes de la médecine globale, en fait. Ce qu'on entend par, que ce soit la médecine prophétique, comme tu disais à l'époque, on appelait ça la médecine Unani, que ce soit la naturopathie, que ce soit… En fait, c'est une médecine qui prend la personne dans sa globalité, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau physique. On considère que tout est lié et qu'on ne peut pas aider une personne à aller mieux si on ne la considère pas dans son ensemble. Donc, c'était un peu pour répondre à ta question, ta première question. D'accord. Juste te présenter encore, Abdelaziz, tes formations, ton cursus, ce que tu fais exactement, tu consultes. Après, on va commencer par la première question. Donc, essentiellement, moi, mon activité, je fais surtout de la formation. Mais je fais aussi, j'ai des consultations aussi, donc j'accompagne des personnes vers la santé. Parce que nous, ce qu'on dit en naturopathie, c'est qu'on ne traite pas des maladies, on traite des personnes. Donc c'est toujours dans l'approche globale qui est toujours spécifique. Donc on n'a pas une formule pour tout le monde, comme dans la médecine conventionnelle. Par exemple, tu es diabétique, je vais te donner de la metformine, comme pour toi, comme pour ton voisin, c'est exactement la même chose. Nous, c'est une autre approche en fait. C'est en fonction de qui tu es, en fonction de ton profil, en fonction du contexte dans lequel tu vis, où est-ce que tu travailles, ton niveau de stress, etc. Donc en fait, on se sert d'un bilan de santé, d'un questionnaire qui va nous donner un maximum d'informations sur qui tu es au final. D'accord. Tout ça, voilà, je vois qu'il y a un site qui s'appelle corrige-moi. Innovnaturopathie.com. Naturopathie.com, voilà. C'est le site de l'école. C'est une école. Je vois qu'il y a une directrice, mais vous êtes le fondateur qui s'appelle Marie-Claire, c'est ça? Je me trompe. En fait, Marie-Claire Laparet a fondé, oui. C'est la fondatrice de l'école. À la base, c'est une école qui est canadienne.
Et puis en D'accord. fait, si tu veux, moi j'ai été formé par cette personne, donc Marie-Claire Laparré. Et au terme de ma formation et quelques années après que j'ai été formé, elle m'a recontacté en fait pour reprendre l'école parce que comme elle se faisait vieille et qu'elle avait de plus en plus de problèmes à maintenir tout ça, donc elle m'a fait la proposition de venir au Canada et de venir nous entendre pour que je puisse continuer en fait la formation. Mais en fait, si tu veux, au départ, elle était comme toutes les autres écoles, elle avait cette approche holistique qu'on a toujours, nous aussi, mais on a rajouté, si tu veux, ce que tout à l'heure tu nommais comme l'approche fonctionnelle. Donc, si tu D'accord. permets, je vais essayer d'expliquer en quelques mots ce que c'est que l'approche fonctionnelle. En France, tu sais qu'on ne peut pas utiliser des termes en naturopathie, hein, en termes de naturopathie, on ne peut pas utiliser des termes comme médecine, comme diagnostic, comme ces genres de termes-là. Donc, on est obligé de prendre d'autres appellations, d'accord? Donc, c'est un peu de l'hypocrisie, si tu veux, mais bon, c'est la législation qui est comme ça, et pour pas être en porte-à-faux, justement, avec cette législation, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on parle de naturopathie fonctionnelle, mais réellement, outre-Atlantique, aux États-Unis, où est-ce que c'est né, ils parlent de médecine fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par fonctionnel? Ils entendent fonctionnel dans le sens de la fonctionnalité des systèmes. Ce qu'ils entendent par là, c'est que si tu veux rétablir la santé d'une personne, il faut t'attaquer au système, à ses systèmes digestifs, son système. Enfin, il y a tout un tas de systèmes en anatomie, physiologie, biologie qui rentrent en compte. Et notamment, le principal, c'est le système digestif. C'est-à-dire que si tu veux donner à quelqu'un, redonner à quelqu'un la santé, une des premières choses à laquelle on pense, c'est les micronutriments. D'accord? Les micronutriments, ça va être comme des outils. Même plus que des outils, ça va mettre des éléments dont ton corps a besoin pour rétablir la santé. Et d'ailleurs, tout à l'heure dans la présentation, quand je t'expliquerai un petit peu comment on tombe malade et pourquoi on tombe malade et comment est-ce qu'on peut guérir de la maladie, j'essaierai d'aller plus en profondeur dans ce détail-là. Mais en fait, si tu veux, quelque part, nous, la première chose qu'on fait, en fait, si tu veux, c'est voir ce qui va créer les problèmes de digestion. Ce qui va empêcher le péristaltisme, donc le mouvement intestinal, c'est un terme un peu technique pour nous naturopathes, mais réellement quand on parle de péristaltisme, on dit que c'est le mouvement intestinal. S'il y a un mouvement intestinal, pour nous, ça veut dire que s'il y a du mouvement, il y a de la santé. D'accord? Si D'accord. n'as pas de mouvement intestinal, tu vas avoir des problèmes de constipation, tu vas avoir tout un tas de choses qui vont se développer. Notamment, tu peux avoir, même si ça stagne trop, ce qu'on appelle un SIBO, donc c'est une prolifération exacerbée de bactéries au niveau de tes intestins. On peut avoir aussi une candidose, ça peut déclencher tout un tas de choses. Une fois que tu as ce genre d'inflammation, en fait, si tu veux, tu peux créer une hyperperméabilité au niveau de tes intestins. Cette hyperperméabilité, ça va faire que ce qu'on appelle nous un leaky gut, c'est-à-dire que tes intestins vont commencer à fuir. Mais quand on dit qu'ils fuient, ils vont fuir directement dans le système circulatoire. Et c'est quand ces bactéries, ces peptides qui normalement devraient rester dans les intestins se retrouvent dans le système circulatoire, donc le système sanguin, à ce moment-là, tu vas avoir quelque chose qui va se déclencher qui est ton immunité. Et ton immunité, comme elle ne reconnaît pas ce genre de bactéries qui sont trop grosses ou ces peptides qui arrivent directement sans passer par le foie, sans avoir été filtrés, elles déclenchent ce qu'on appelle nous l'auto-immunité. Et dans les maladies chroniques inflammatoires, on se retrouve souvent les maladies auto-immunes. Et c'est une des raisons principales de ce genre de maladie. C'est pour ça que nous, on parle de fonctionnalité et qu'on parle de rétablir la fonctionnalité du système. Est-ce que D'accord, ça répond à ta donc question? oui, on essaye de comprendre, malgré que c'est un peu technique aujourd'hui, excusez-nous. On J'essaie essaye, d'y aller c'est doucement, tu l'interdit vois, de j'essaie de pas voilà, trop entrer justement dans les termes pas trop techniques rentrer pour dans les essayer de choses garder tout le monde techniques. avec nous, Voilà, on n'est pas dans l'université de la naturopathie, mais on en essaye de faciliter, voilà, essayer de faciliter le maximum de choses. Est-ce qu'on peut lier toutes les maladies au système digestif? fait. Disons que, par exemple, dans l'exemple de la maladie auto-immune, ce qu'on dit, nous, en termes de médecine fonctionnelle, donc de naturopathie fonctionnelle, pour rester dans la législation, c'est que 98% des causes de ces maladies auto-immunes sont intestinales. D'accord? Je vais te donner un exemple concret. Si on Non, prend la je veux maladie dire, excuse-moi, d'Hashimoto. Abdelaziz, excuse-moi, ça veut dire qu'il y a une grosse partie des maladies qu'on a, c'est à cause de notre alimentation. Est-ce que oui ou non? Absolument, absolument. Parce que, imagine-toi, je vais essayer de te l'imager. Si tu as, par exemple, tu fais venir un peintre chez toi pour essayer de te repeindre à la cuisine. Oui. D'accord?
Donc ce peintre, tu vas le faire venir. Mais si tu ne lui donnes pas d'escabeau, si tu ne lui donnes pas de peinture, si tu ne lui donnes pas de pinceau, tu peux lui donner tout ce que tu veux. Hein. Si tu ne lui donnes pas l'essentiel pour qu'il travaille, il ne pourra rien faire. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ton corps. Ton corps, il a besoin de certains micronutriments pour effectuer certaines opérations. D'accord? Des opérations qui vont permettre de se reconstruire, de maintenir justement un intestin sain, de maintenir une peau saine, de maintenir, tu vois, il y a tout un tas de choses. Comme le prophète Salam, il disait, par exemple, que si tu ne mangeais pas de viande pendant 40 jours, tu étais redevable vis-à-vis de ton corps. Parce que ce qu'il disait, c'est que la protéine construit la protéine. La protéine construit le muscle. Donc, D'accord. tu vois, par exemple, la protéine, ce n'est pas un micronutriment, c'est un macronutriment. On va essayer d'expliquer clairement. Les macronutriments, c'est ce qu'on appelle les protéines, les lipides et les glucides. D'accord? Ce que nous, on appelle les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux, tu vois, tout ce genre de trucs qui sont vraiment infimes, mais qui, s'ils ne sont pas là, il y a des opérations qui ne pourront pas se faire, comme par exemple des opérations de méthylation. Pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent un petit peu la médecine, je parle du cycle de Krebs, où tu as besoin de certains éléments qui vont venir, comment dire, recycler d'autres éléments et qui vont permettre de produire encore d'autres éléments, tu vois. C'est tout un enchaînement de choses. En fait, si tu veux, nos cellules, elles ont une intelligence et cette intelligence, elle est vraiment exceptionnelle. C'est pour ça que nous, on dit que nous, on guérit rien du tout. Nous, tout ce qu'on fait, c'est donner les bons programmes au corps pour que ce corps puisse lui faire son travail de remise en santé. Et ce qu'on appelle, nous, en fait, si tu veux, en termes techniques, quelque part, on va appeler ça ça m'échappe là, le mot, c'est Voilà, tu dois faire de l'homéostasie. l'orchia pour moi. En fait, le mot, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, si tu veux, Ouais. c'est le fait que ton corps, en fait, il se sert de différents éléments pour toujours se retrouver à l'équilibre, pour garder un pH neutre, pour garder un cœur sain, pour garder, tu vois, il y a besoin de micronutriments pour justement permettre cette homéostasie, qui est cet équilibre indispensable pour le corps, pour qu'il puisse être en santé. D'accord. Donc, en Est-ce que gros, il c'est faut trop technique renforcer. ou… Voilà, pour faciliter les choses, en gros, on renforce l'immunité, le fonctionnement du corps pour qu'il puisse, lui, faire son travail, puisque le système En fait, soit c'est en performant en plusieurs termes étapes. de défense. C'est en plusieurs étapes. Si tu veux, la première chose, c'est d'avoir un intestin sain. D'accord? Ça, c'est la première étape. Si on n'a pas un intestin sain, à ce moment, il faut traiter et il faut rétablir cet intestin pour le mettre en santé. Le deuxième point, c'est donner au corps la nutrition qui lui est adaptée. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la nutrition humaine? Est-ce que c'est boire des jus crus? Est-ce que c'est manger des carottes toutes les journées? Ou alors, est-ce qu'on dit, est-ce que l'homme a besoin de viande? Est-ce que l'homme, tu vois ce que je veux dire? Là, on va rentrer dans des termes encore plus, comment te D'accord. dire? Parce que la nutrition, c'est devenu D'accord. quelque chose d'idéologique au jour D'accord. d'aujourd'hui. Tu as des gens qui se définissent même par rapport à ce qu'ils mangent. Moi, je suis cétogène, moi, je suis végan, moi, je suis un tel, moi, je suis un tel. En fait, c'est comme si, par exemple, tu te disais, moi, je suis communiste, moi, je suis socialiste. Enfin, tu vois, ça reste des mots. Mais en fait, au fond, qu'est-ce que tu es? Tu es un être humain, tu vois, un être humain avec certains besoins. Et si on remonte même, nous, ce qu'on appelle le mode ancestral, donc si on remonte à l'époque de nos ancêtres et tout ça, à l'époque où ils vivaient dans des grottes, toutes les grottes qu'ils ont découvertes dernièrement, j'ai jamais vu, moi, une salade de dessinée dessus, tu vois. Moi, je vois toujours des bêtes qui sont dessinées dessus, tout ça. Donc, tu vois, Tout à c'est fait, pour de la répondre un peu à viande. l'idéologie. Et quand on va même faire des recherches et quand on va même regarder même ce qui se fait sur PubMed, PubMed, c'est un site qui publie justement pour les professionnels de la santé tout ce qui est études et recherches médicales. Quand on va voir vraiment qu'est-ce que c'est que l'alimentation idéale pour l'homme, je suis désolé, mais je veux pas, tu vois, je suis pas là pour faire d'ennemis ou quoi que ce soit, mais être un végétarien pur, je pense pas que ce soit quelque chose d'adapté. D'ailleurs, une des preuves que ce n'est pas un régime adapté, c'est que la plupart des gens qui sont en mode végétarien, végan, tu vois, plutôt, sont obligés de prendre des compléments, donc des suppléments, que ce soit en vitamine B12, en fer héménique, etc., etc. Donc, tu vois, moi, je crois au fait qu'il faille rétablir un intestin sain et donner une nutrition à haute densité nutritionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une nutrition, une alimentation à haute densité nutritionnelle? C'est une alimentation qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin pour vivre. Pour construire du muscle, pour, tu vois, tout ce qu'on expliquait tout à l'heure. D'accord.
Donc, tu es plus pour une alimentation qui n'est pas végétarienne et qui est variée. Voilà, en fait, varié, on peut lui donner le nom que tu veux. Il y a des gens qui vont lui donner le nom de méditerranéen, il y a des gens qui vont lui donner le nom de paléo, mais en fait, moi, je me fous complètement du nom. Ce qui va m'intéresser à D'accord. moi, c'est qu'il y ait une haute densité nutritionnelle qui va permettre de maintenir une D'accord. santé ou de rétablir la santé. D'accord. Donc, Abdelaziz, j'ai bien aimé Yeah. que tu parles de trois étapes. Donc, la première chose, c'est rétablir l'intestin. Deuxième chose, rappelle-moi, c'est quoi? C'est de donner l'alimentation adaptée, d'accord? Et une Allez, des et troisièmes troisième choses que étape. nous, la troisième étape qu'on fait, nous, c'est de réensemencer, justement, tu parlais d'immunité, tu vois. Pour nous, on réensemence les intestins, donc comment dire, on va s'occuper du microbiote. Là, c'est encore un terme technique, mais je D'accord. pense que de plus en plus D'accord. de gens Donc sont au courant de ce terme. d'accord. Donc Ce tout microbiote, en fait, c'est des travail avec. bactéries que tu as dans tes Pardon. intestins, tu vois? Tu as des bactéries dans tes intestins et cette masse, si tu veux, de bactéries, tu as toutes sortes de bactéries. Tu as des bactéries commensales et des bactéries pathogènes. Les commensales, on va dire que c'est les bénéfiques, d'accord? Et celles qui sont pathogènes, normalement, elles ne devraient pas être là en majorité. Elles devraient être vraiment minimes. Mais il se passe des fois que quand tu manges ou quand tu es affaibli ou par exemple quand tu as une acidité gastrique qui n'est pas assez élevée, tu vas avoir comment dire, des bactéries qui vont rentrer ou alors des champignons qui vont rentrer dans tes intestins et qui peuvent créer une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de ton microbiote. Donc la troisième étape pour que je disais en fait, c'était de réensemencer. Tu vois, une fois que j'ai traité, que j'ai donné la bonne alimentation, la troisième étape pour moi, c'est toujours de réensemencer, c'est-à-dire donner des probiotiques et des prébiotiques à ces bactéries justement D'accord. qui sont, qu'on va dire, nous commensales, qui sont donc bénéfiques, qu'on va essayer de nourrir et de favoriser pour discriminer les pathogènes qu'on aura traités auparavant. D'accord? Une fois D'accord, que j'ai donc. rétabli une symbiose Oui. au niveau de mon intestin, il va se passer énormément de choses. Je peux te donner par exemple des exemples. Tu sais qu'il y a beaucoup de cas de schizophrénie qui sont directement liés à l'estomac. Le lien intestino-cérébral a été démontré et il n'est plus à prouver. Un deuxième point ou un deuxième exemple que je pourrais te donner, c'est au niveau de la santé de la peau. L'acné, le psoriasis, tout un tas de problèmes, si il y a directement une connexion entre l'intestin et la peau. Donc, si tu veux nourrir ta peau, ça va se passer au niveau des intestins aussi. Tu vois? Donc, Donc, tu vois, c'est encore si un je truc. comprends bien, Abdelaziz, excuse-moi, pour aller rapidement dans les points essentiels, on ne voit pas que tu es du genre de naturopathe qui donne, prends cette herbe, achète ça, mélange ça, arrête de. Enfin, tu prescris pas de plantes. Parce que quand on entend naturopathe, c'est quelqu'un qui vend des plantes, quoi, herboriste, naturopathe. Est-ce que Bah, toi, c'est l'erreur que font beaucoup de de gens. nous former ou de nous soigner ou de Bah, nous. Je comprends pas en fait. Donc, un patient qui va chez toi, j'ai l'impression que tu es en train de le former. Explique-moi ça. voilà, justement, je suis un éducateur de santé, mais tu parlais de plantes. En fait, pour nous, les plantes, c'est quoi? C'est un outil. C'est un outil. Par exemple, quand je te dis, je vais traiter les intestins, je ne vais pas le traiter avec des poèmes, tu vois. Je vais prendre des plantes adaptées à chaque pathologie, etc., etc. Et là, c'est à ce moment-là que les plantes vont me servir. Mais je ne peux pas juste te dire, par exemple, tu me dis, voilà, j'ai une carence de vitamine B12 et je vais te donner un gélulier de vitamine B12 et je te dis ciao à la prochaine fois. Non, il faut que je comprenne pourquoi tu as une carence, tu vois. Et c'est pour D'accord, ça qu'on donc. utilise le bilan de santé et c'est pour ça qu'on a un questionnaire. Et après, même si j'ai la bonne formule, je peux la donner à la personne que j'ai en face de moi, tu vois. Je peux lui expliquer la chose, mais il faut encore qu'elle adhère. Donc, c'est pour ça que quelque part, tu vois, je suis obligé de les éduquer et je suis obligé de leur expliquer vraiment mon approche pour qu'ils comprennent réellement ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, si tu veux, contrairement à la médecine conventionnelle, c'est pas juste une médecine qui est centrée sur moi, qui est centrée sur le médecin, entre guillemets. Tu vois, quand on prend le médecin de la médecine conventionnelle, le toubib, tu vas le voir. Et c'est lui qui te dit exactement quoi faire. Il va te dire, bon, mais tu prends tel médicament parce que tu as telle maladie. D'accord? Moi, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Moi, c'est plutôt participatif. C'est-à-dire que j'interagis avec la personne, j'essaie de lui faire comprendre, je l'éduque quelque part à son problème de santé, je lui dis les comportements de vie qui ne vont pas, et j'essaie de lui faire comprendre et de le faire adhérer surtout au fait qu'il faille qu'il fasse des changements. Car si je n'ai D'accord. pas son accord, et si je n'ai pas sa compréhension, et si je n'ai pas sa confiance, moi, je ne suis rien du tout. Je ne suis pas comme tu vois,
un vendeur de lunettes, je vais te mettre tes lunettes, tu vas revoir. Non, c'est autre chose, moi. Moi, et en plus, tu vois, il y a des fois, je suis même obligé de lutter contre la personne pour qu'elle se soigne. Tu vois? Parce que elle a tout un tas de raisons, peut-être, de ne pas vouloir guérir. Et là, je pense que toi, là, tu peux développer là-dessus parce que, à mon avis, tu en connais encore un peu plus que moi Tout sur à ce fait, sujet. c'est pareil. Donc, je voulais dire ça, que moi, je passe d'abord par un diagnostic. Donc, ce terme, il est interdit, mais moi, je le dis, je n'ai pas d'autre terme. Qu'est-ce que on est C'est comme ça, un Un questionnaire, un bilan de santé, diagnostic, une voir. anamnèse, on peut dire. Tu vois, il y a tout un tas Et de s'il n'y a termes, hein. personne, moi, je refuse des gens. Moi, je refuse chaque jour des gens. Si la personne, elle n'est pas prête à faire des efforts, ça ne sert à rien. Donc, tout le travail, c'est en nous. Je suis Et absolument d'accord avec toi. ça c'est. Les gens qui font du business, ça veut dire qu'ils font trop de séances, avec tout mon respect, au naturopathe, au lapsi, etc., ils n'aiment pas. Ils veulent que tu te pendes du thérapeute. Mais c'est la vraie médecine. Je pense la médecine ancestrale, et comme les médecins chinois, etc., ils t'apprennent à se prendre soin de toi. Parce que la vraie médecine, c'est de prendre soin. Le prophète, C'est ce le qu'on seul. appelle, la prévention active. C'est de la prévention active. C'est-à-dire que tu vois, j'aime bien donner l'image du bateau. Si tu as un bateau, si tu ne veux pas qu'il coule ton bateau au milieu de la mer, de temps en temps, tu es obligé de sortir de l'eau, d'enlever les coquillages, de le repeindre. Tu vois, tu es obligé de faire de la prévention Tout à active. fait. Tu es obligé de te prendre en charge. Parce que si Tout tu à ne le fait. fais pas, tu vas te Tout noyer. à fait. Et je Abdelaziz, tout reviens à sur le l'heure, point que tu disais. oui, tout à l'heure, Oui, vas-y. je regardais un peu sur Internet, j'écrivais en arabe la nutrition et l'islam. Et j'écrivais des mots comme le hadith, j'écrivais des mots comme hadith et manger, boire, etc. Et c'est toujours la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répétait, c'est de ne pas manger trop, déjà, ça, et de ne pas gaspiller. Bon. Exactement, et de ne pas manger sans faim. Il y a toujours ça qui se répète. Bon, avant, il n'y avait pas d'oxyde comme maintenant, donc il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait que ce problème, on comprend. Est-ce que tu peux nous parler un peu de voilà, pour rapprocher ce hadith qui disait. Un tiers pour l'eau, un tiers pour la nutrition et un tiers pour le nafs, le vide. Qu'est-ce que ça fait quand on Exactement. remplit beaucoup l'estomac? Ben, l'excès, tu sais, c'est comme tous les excès, hein, tu sais, comme tu le sais, ben, on dit quand on prie en islam, on dit sirat al-mustaqim, hein. C'est toujours la voie du milieu, en fait. Quand tu vas La dans voie du les milieu. excès, ben, voilà, que ce soit, tu vois, regarde, moi, par exemple, mon approche en nutrition, elle n'est pas calorique, elle est hormonale, tu vois, je fais en fonction des hormones. Mais ce que je dis tout le temps à mes clients, je leur dis, ne mange pas trop. Mais ne te mets pas non plus en famine. Tu vois, c'est D'accord. toujours la voie du milieu, tu vois. Parce que je sais pertinemment que s'ils ne mangent pas assez, ben, ils vont avoir ce problème-là. Après, tu vois, tu fais intervenir l'eau, tu fais intervenir l'oxygène, tu fais intervenir l'alimentation. C'est clair. Enfin, tu vois, il y a tout un équilibre à avoir. Et pour revenir justement au prophète de l'islam, salam alayhi wa salam, comme on dit, j'ai jamais trouvé une seule recommandation du prophète qui aille à contrario de la science. Jamais. Jamais. Que ce soit en termes de protéines, que ce soit en termes. Et tu vois, pareil, hein, je fais tout le temps des recherches, tu vois. Je regarde un petit peu à gauche, je regarde un petit peu à droite. Et c'est vrai que ça m'a toujours interpellé. J'ai jamais trouvé une seule. D'ailleurs, regarde, la preuve, c'est que tout le monde commence à venir au jeûne. Tout à fait. Donc, nous, Tout à fait. il n'y a pas que les musulmans qui jeûnaient. Il y avait les chrétiens avant nous, il y avait les juifs bien avant les chrétiens. Donc, ça a toujours été là. Donc, tu vois, c'est que quelque part, il y a un mode d'emploi pour l'être humain. Il y a une façon de vivre et une façon de gérer, que ce soit son alimentation, que ce soit sa vie au quotidien, que ce soit son hygiène, que ce soit toutes ces choses, en fait, elles ont une réelle importance. Et les gens, on dirait qu'ils commencent juste à le redécouvrir. Là, j'ai l'impression que ça devient même un peu une mode, tu vois, le fait de jeûner. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point ça booste la santé. Et même dans le Donc, pour hadith, répondre à ta question, oui, absolument, c'est voilà. pertinent. Il faut pas rentrer dans les excès. Voilà, dans l'excès, il y a les hadiths qui sont connus dans la nutrition, c'est le hadith, excusez-moi, c'est que le ventre est la maison de la maladie. Le ventre, Exactement, il la y avait maison de maladie, justement, ça veut dire tu que vois, il y a juste. le centre de la maladie du corps, c'est le ventre.
Et le prophète sallam, voilà, on a Absolument, un grand pilier, le absolument. jeûne, qui est dans l'islam, le jeûne. Et on a un autre Absolument. hadith qui disent que le jeûne rétrécit les veines pour le shaitan. Il ne peut pas circuler rapidement. Ça veut dire qu'il fait moins de waswas. Donc plein, plein Exactement. de mots nutrition et même Ça apporte une sérénité, ça apporte une sérénité même de jeûner, tu vois, de ne pas avoir ce problème digestif. Tu vois, en termes de naturopathie, on parle d'énergie vitale. Tu sais, quand tu digères, il y a toute une énergie qui va venir se recentrer au niveau de la digestion, tu vois. C'est pour ça, par exemple, quand tu mangeais la cantine à l'époque, quand on était à l'école, tu commençais un cours de maths juste derrière, tu piquais du nez, tu vois, parce que tu n'as pas assez d'énergie pour te concentrer, pour digérer, tu vois ce que je veux dire? à fait. Donc, il y a toute une énergie. Et pour revenir justement au hadith, il y a aussi un hadith qu'avait dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que méfiez-vous de ce que vous mettez dans vos estomacs, car il y plonge, car dans vos estomacs plonge, je traduis grosso modo, car dans vos estomacs plongent vos veines et vos veines reviennent. Et le sang revient dans ces veines. Donc, c'est phénoménal, c'est vraiment. Enfin, on se rend compte à quel point la sagesse prophétique, hein, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit juive, il y a une véritable sagesse là-dedans. Et en termes de sagesse, il n'y a jamais rien de nouveau. Comme disait René Guénon une fois dans un de ses livres, si quelqu'un arrive en termes de sagesse avec une nouveauté, c'est certainement un imposteur. D'ailleurs, c'est la critique qu'il faisait justement à la philosophie moderne, qui est plus une course à l'originalité plutôt qu'une course à la sagesse, tu vois. Parce qu'en termes de sagesse, on réinvente rien. L'homme tel qu'il était à l'époque, c'est le même que celui qu'il y a aujourd'hui. Sauf Tout à qu'aujourd'hui, il fait, s'est un peu tout à perdu. fait. À fait. Moi, Abdelaziz, dans les consultations, je reçois presque une personne sur trois, une personne sur quatre qui a des maladies. Et les maladies qui reviennent souvent, c'est toujours les mêmes. C'est les maladies auto-immunes, c'est la thyroïde Oui. et la maladie de l'utérus et les maladies de la peau. Donc, c'est ces maladies et le diabète. Ouais. Je vois C'est ce qu'on appelle nous que des sur ton maladies site, tu chroniques. parles toujours de ça. Voilà. Et le cancer Ouais. aussi. Pour Donc, les Allah fasse résumer, réserve tu pourrais les résumer en maladies Oui. chroniques inflammatoires, tu vois. Parce qu'en fait, en termes de maladies, tu peux différencier entre deux grands types de maladies. Tu as juste la maladie passagère, celle où tu as un rhume ou une grippe, un truc qui va passer en quelques journées, tu vois. Là où il y a un problème, c'est quand la maladie devient chronique, justement pour ce dont tu parlais, le diabète, les maladies auto-immunes, etc. Donc, quand tu vas voir, par exemple, un médecin conventionnel, il faut bien savoir, parce que ça, je pense que c'est un truc qu'il faut souligner, parce que les gens ne le comprennent pas. Quand tu vas voir un médecin conventionnel, qu'est-ce qu'il fait en général? Ce qu'il fait, lui, c'est de la gestion de symptômes. Un exemple pratique. Tu prends la maladie auto-immune, quelle qu'elle soit. La plupart des médecins vont te dire que c'est génétique, d'accord? Et qu'est-ce que tu vas avoir comme traitement chez eux? Il va te donner un médicament chimique pour justement gérer les symptômes. Mais en aucun cas, tu es en train de prendre un médicament pour traiter la maladie, pour traiter la cause profonde. En fait, c'est là que la grosse différence se fait entre nous et la médecine conventionnelle. C'est-à-dire que moi, je l'explique avec un schéma que j'ai là dans mon cours, où au centre, tu aurais l'épigénome et le génome associés à l'exposome. Je vais expliquer brièvement ce que c'est. Donc, le génome, en fait, si tu veux, quelque part, c'est ton patrimoine génétique avec lequel tu nais. Oui. L'épigénome, c'est le liquide, on va dire le liquide chimique endogène, donc qui vient de ton intérieur, dans lequel baigne ton ADN, d'accord? Et c'est ce liquide qui va venir donner des commandes justement à tes gènes pour qu'elles fassent certaines opérations pour maintenir la santé, pour reconstruire certaines choses, d'accord? Ensuite, ce qui vient de l'extérieur, ce qu'on appelle nous l'exposome, donc qui est exogène, donc quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est des produits chimiques qui vont venir de l'extérieur et qui vont venir modifier quelque part ton ADN et venir interférer avec elle, d'accord? Et c'est à ce D'accord. niveau-là. En fait, l'exposome, ça peut inclure ton alimentation, ça peut inclure l'air que tu respires, les produits chimiques que tu as autour de toi, le tabac quand tu fumes, l'alcool que tu vas boire. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont venir interférer avec ta santé. Et si tu veux, nous, on part de ce cœur qu'on appelle nous l'exposome
génome plus expogénome et exposome. En fait, si tu veux, l'interférence entre les trois, c'est ce qu'on va appeler, nous, la cause profonde des maladies. Au-dessus de cette couche, tu as ce qu'on appelle, nous, le pathogène. Ensuite, tu as la maladie et ensuite, tu as le symptôme. Donc, eux, en fait, si tu veux, en termes de médecine conventionnelle, ils partent de l'extérieur. Ils partent du symptôme, ils gèrent le symptôme, mais à aucun moment, ils vont traiter la cause profonde. Pourquoi? Parce que réellement, en médecine conventionnelle, ils n'y connaissent rien en nutrition. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste, ce n'est pas un spécialiste en alimentation. Et c'est ce qui est bien dommage dans leur formation, c'est qu'on ne les forme pas à ça. Parce que la plupart du temps, ta maladie, elle est due à ce qui vient de l'extérieur, donc à ce que tu manges, etc. Si tu n'es pas formé à la nutrition, comment est-ce que tu peux aider quelqu'un à traiter les causes profondes de la maladie? En fait, si tu veux, nous, on se rend compte aujourd'hui que tu as à peu près 63% des décès, ils sont dus à des maladies chroniques. Et ces maladies chroniques, comme tu disais tout à l'heure, il y a la cardiopathie, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers, les affections respiratoires chroniques, le diabète, les maladies auto-immunes. Elles sont en fait, c'est la première cause de mortalité au monde. C'est pour dire l'effet de ces maladies chroniques. Et c'est devenu une épidémie, tu vois. Pour te donner un exemple, sur les 36 millions de personnes décédées de maladies chroniques en 2008, tu as 29% qui avaient moins de 60 ans. Donc, ce n'est pas que des gens vieux qui sont touchés. Donc, 29% des 36 millions de personnes qui sont mortes en 2008, c'est des personnes qui ont moins de 60 ans. En France, par exemple, on considère qu'il y a à peu près 15 millions de personnes, donc à peu près 20% de la population, qui est touchée par une maladie chronique. Au Canada, c'est à peu près 30%, tu vois. Et aux États-Unis, tu as 6 adultes sur 10 qui ont un problème de santé chronique et 4 sur 10 qui en ont deux ou plus. T'imagines, 4 personnes sur 10 qui ont deux maladies chroniques ou plus. Donc, c'est te dire l'épidémie que c'est et surtout le casse-tête. Parce qu'en fait, si tu veux, les personnes, elles vont aller voir un toubib en pensant qu'elles sont en train de se guérir. Mais en fait, tout ce qu'elles font, c'est éteindre le symptôme, tu vois. Mais elles n'arrêtent pas l'inflammation, elles n'arrêtent pas la cause profonde qui est en train de les attaquer. Est-ce que je me suis fait D'accord. comprendre ou c'est un peu compliqué ce que j'explique? Oui, c'est tout à fait clair. Hein. C'est ce que je dis, moi, c'est que Allah, ou si vous voulez, les gens qui ne le croient pas, il n'y a aucun souci, la nature est bien faite. Ça veut dire que notre corps a des soldats, il a une puissance extraordinaire. Il est très intelligent, ce corps. Il a besoin juste d'être compris, il a besoin juste de fonctionner bien, il a besoin juste d'entretien, comme la voiture, quoi. Voilà, de bien manger, de bien respirer, de bien évacuer, comme disait Irène Grosjean dans son livre, j'ai bien aimé l'introduction, elle a dit quand le bébé il est né, et il a les quatre lois, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il respire, après il respire, il va téter, ça veut dire la respiration, l'alimentation, après il va évacuer, après il va dormir, ou dormir après évacuer. Donc la nature est très simple. Allah, il a créé des fruits, des légumes, de la viande, de l'eau qui est potable, etc. C'est l'être humain qui a, voilà, avec la méchanceté, hein, il a toujours voulu faire du mal. Donc, c'est la dictature toxique, ce que tu appelles, toi, les facteurs extérieurs, excuse-moi, tout ce qui est environnemental, Exogène, exogène. exogène. Moi, ce que tu vois, tu appelles exogène, moi j'appelle dans la locale l'environnement. Par exemple, je dis Ben c'est que, ça, c'est le contexte, ouais. voilà, le contexte. Moi, je dis que les gens me disent, ah, mais moi, je veux sortir ce diable qui m'a pourri la vie. Non, je dis non. Le diable, s'il est là, s'il est fort, c'est parce qu'il a un terrain pourri. Un terrain pourri, c'est quoi? C'est des blessures d'enfance, c'est un environnement toxique, c'est une alimentation toxique, c'est des croyances toxiques. Et je peux te citer une vingtaine de problèmes que la majorité des gens, ils ont. Et donc, moi, mon but en tant que thérapeute, thérapie holistique, c'est d'augmenter le taux vibratoire du corps. Et ce taux vibratoire, une bonne partie, c'est toi, Abdelaziz. Tu dois nous enseigner. Parce que tu peux faire des centaines de rokia, tu peux te marier avec le prince charmant qui va te donner l'amour chaque jour, tu peux manger bien, etc. Mais
il y a toujours un facteur de nutrition très important. Et donc, le diable, on ne peut pas le faire sortir ou l'affaiblir, etc., sans qu'on augmente la vibration de corps. Pareil pour Exactement. n'importe quel virus, c'est le terrain. C'est-à-dire que moi, j'invite les Exactement. gens à se soigner, à se comprendre, à améliorer, à avancer, à atteindre des objectifs, à conseiller des thérapeutes, que ce soit des nutritionnistes ou des psychothérapeutes, etc., pour renforcer ce corps qui vibre très, très, très mal. Donc, Exactement, alors tu sais. bien, le problème, ça augmente l'énergie, mais c'est holistique, c'est global. Vois, Tu as c'est ce là que dicton qui te pour les dit. gens qui nous écoutent, je fais un petit peu, voilà, les choses se ressemblent. Quand je parle à un psychologue, pareil, il me dit, moi, j'invite la personne à changer ses croyances, à prendre soin d'elle, à se responsabiliser, à prendre des décisions avec un coach pareil, avec l'autre fois avec l'hydrothérapeute, etc., aujourd'hui avec toi, Abdelaziz. Donc, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent et on a toujours ces menaces, ces gens qui nous disent, il faut consulter. Pour prendre une pilule, c'est toujours voilà, Attends, c'est de l'autre, c'est pas nous. que je précise bien quelque chose. On n'est pas en guerre, hein, contre la médecine conventionnelle, bien au contraire. On est là, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on vient en adjuvance. Si tu veux, quelque part, la médecine conventionnelle, attention, hein, un médecin, c'est 8 ans, 9 ans d'études. Hein. C'est des gens qui connaissent le corps parfaitement, etc. Et c'est les maîtres du diagnostic, tu vois. Nous, on peut, tu vois, suggérer, machin, tout ça, parce qu'on étudie aussi l'anatomie, etc. Mais attention, on ne se substitue pas au médecin. Le Bien médecin, on sûr. est là, en fait, l'appel que j'essaie de faire, en fait, vis-à-vis des médecins, c'est qu'en fait, on est fait pour travailler ensemble. Si tu veux, je te donne un exemple. Quelqu'un qui va avoir un AVC, mais il faut traiter de suite, tu vois. On a besoin de l'urgence, on a besoin de la chirurgie, on a besoin de donner un médicament allopathique de suite pour faire circuler le sang, etc. Tu vois. Donc, ce qu'il faudrait, en fait, limite, c'est que chacun reste à sa place. Tu vois, le médecin conventionnel chez qui tu vas aller faire le diagnostic, il va te donner le médicament de suite là, d'urgence pour que tu traites l'urgence que tu as sous les bras, que la personne ne meure pas, parce qu'en fait, au final, c'est ça qui va compter. Mais après, ce qu'il devrait faire, c'est conseiller cette personne pour qu'elle aille voir quelqu'un qui va traiter le fond, qui va traiter la cause. Et là, à ce Et moment-là, malheureusement, il n'y a pas. nous, on arrive en adjuvance. Et c'est là qu'il y aurait l'union sacrée, tu vois. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, on est des éducateurs de santé. Tu disais que la vibration, etc., la nourriture, tu as un dicton en France qui te dit, tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. Si tu vas aller bouffer du McDo, parce que au-delà même de bouffer du McDo, parce que là on va passer au côté métaphysique de la chose, au-delà même de bouffer du McDo ou de boire du Coca, tu adhères à quelque chose. Quand tu vas acheter du Coca, c'est pas juste anodin, t'as pas juste acheté un Coca. Tu as adhéré à une façon de penser. Tu as adhéré à une mentalité, tu vois ce que je veux dire? Et il y a même un logo dessus, tu vois. Et ça va au-delà même de ce que tu manges, tu vois. Ça vient même perturber, tu vois, la façon dont tu es. Regarde, il y avait une vidéo là qui présentait ce que faisait un coca quand tu le buvais. Au bout d'une demi-heure, les réactions que tu avais au niveau du foie, les réactions que tu avais au niveau du cerveau, mais c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant, tu vois. Donc, au-delà même juste de boire un coca, ou de, tu vois, te dire, bon, c'est rien, je bois juste un coca, ou c'est rien, je vais regarder juste un film, tu vois, ou pire, Adoubilla, tu vois, je vais regarder un film vicieux, tu vois, machin, ça va rien me faire. Au contraire, ça va venir perturber tout un tas de choses en toi. Même de parler mal, tu vois, de dire des mauvaises paroles. Tu avais un chercheur japonais, justement, qui avait fait cette Tout à fait. expérience avec de l'eau et aussi avec du riz. D'un côté, il mettait un pot de riz auquel il disait des bonnes paroles, et de l'autre côté, tu avais un pot de riz sur lequel on disait beaucoup de gros mots, etc. Mais le riz pourrissait beaucoup plus vite. Pour l'eau, pour les cristaux d'eau, tu vas dire une parole. Par exemple, avant de boire, on dit Bismillah, il se passe des choses dans l'eau. C'est pas juste, tu vois. Fait, au jour d'aujourd'hui, on croit que la spiritualité, c'est juste un truc que tu fais le vendredi de telle heure à telle heure, tu vois. Tu vas écouter une khutba, machin, hop, et tu ressors, et puis après tu fais des prières et que ça ne veut rien dire. Mais en fait, tout est énergie et tout compte, en fait. Tu vois, quand tu fais quelque chose, les choses ne valent que par leur intention. Tu vas dire un mot, tu vas le penser, tu vas le visualiser même quand tu vas le faire. Et ça va enclencher tout un tas de choses dans ta vie. Et au plus tu vas le faire et au plus ça va devenir une habitude, ça va devenir, comment te dire, une propagande positive. Tout à fait. Contrairement à une propagande négative telle que celle qui nous sont produites en ce moment sur le Covid, par exemple.
sans vouloir faire d'exemple trop, voilà, sans vouloir déraper trop du sujet d'aujourd'hui. D'accord. On peut parler un peu de Covid, de santé. À ton avis, voilà, moi j'ai des gens qui ont le mal occulte ou ils n'ont pas de mal occulte. Et depuis l'entrée du Covid, il y a des graves symptômes, des maladies, etc. Comment en fait ne pas attraper le virus? Comment soigner, à ton avis, en tant que toi, naturopathe? Mais écoute, tu sais, quand ça a commencé, j'étais dans le désert. Et tu sais, en fait, quelque part, moi, mon histoire, c'est là-bas qu'elle a commencé, en fait. J'étais dans le désert pendant 5 ans. Et voilà, bref, on va faire très court. Et j'étais là quand cette histoire de Covid a commencé. Il y a un papy, bon, il sait que je travaille là-dedans et tout. Il est venu me voir, il me dit, « Ah, Roya, Roya, est-ce que tu as un remède pour le Covid? » J'ai dit, « Ouais. » Il m'a dit, « Quoi? » J'ai dit, « Éteins la télé. » Parce qu'en fait, si tu veux, quelque part, le procédé narratif, en fait, il a pris le dessus sur le réel. Est-ce que tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? C'est la peur. Ils ont créé une réalité, en fait, si tu veux, un petit peu, c'est comme Pharaon et les magiciens qui travaillaient pour Pharaon dans le Coran. Oui. Ils créent une illusion devant les yeux des gens. Ils créent une illusion au niveau de l'esprit des gens. À tel point que maintenant, tu as des gens de la même famille qui ne se disent même plus bonjour. Et quand on va regarder réellement les chiffres, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut rester dans le réel, il faut aller voir les informations plutôt que d'écouter les infos à la télé. Enfin, une demi-heure d'information, ce n'est pas de l'information, c'est une demi-heure de lavage de cerveau. C'est une demi-heure dans laquelle on va te donner une façon de penser, tu vois, un état d'esprit. On va forger un état d'esprit. Et c'est ce que. Comment il s'appelle? Edward Bernays, pour ceux qui le connaissent. Edward Bernays, si tu veux, c'est le neveu de Freud. Edward Bernays, c'est le père du public relation, de la relation publique, tu vois. C'est lui qui a inventé ce métier. Et il disait à l'époque que si on peut se servir de la propagande en temps de guerre, on peut certainement s'en servir en temps de paix. D'accord? Donc ces gens, en fait, si tu veux, c'est les rois de l'opinion publique. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils créent une opinion publique. Et une fois que tu as créé une opinion publique, tu vas la répandre. Et en fait, c'est le règne de la quantité. Comme disait René Guénon dans un de ses livres qui s'appelle Le règne de la quantité et le signe des temps, en fait, on est dans le règne de la quantité plutôt que dans le règne de la qualité. On est dans le truc où, tu le vois très bien là en ce moment à la télévision, on essaie de créer du nombre. Donc, le jour où on aura beaucoup plus de vaccinés que de non-vaccinés, à ce moment, on pourra imposer la loi du nombre aux autres. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, comme disait René Guénon encore une fois dans un de ses livres, c'est que l'expression du plus grand nombre ne peut être que l'expression de la médiocrité. Et là, si D'accord. tu veux, on est devenu tellement fainéant que, tu vois, je ne sais pas comment te dire, si tu vas manger quelque chose, tu vas te soucier de ce que tu vas manger, tu vas regarder, tu vas te dire, bon, attends, est-ce que c'est halal, c'est pas halal, est-ce que les aliments sont sains, je vais les sentir, est-ce que ça pue, est-ce que ça pue pas, est-ce que tu penses que je peux donner ça à manger à mes enfants? On va se poser tout un tas de questions. Par contre, en termes de communication, en termes de télévision, etc., on ne se pose jamais cette question-là. Et on laisse tout un tas de trucs rentrer dans nos esprits. Et moi, ce qui m'étonne le plus, en fait, si tu veux, c'est que je pensais que les gens qui se disent spirituels, que les gens qui ont une pensée métaphysique, si tu veux, tu vois, qui dépasse juste l'actualité, parce que l'actualité, elle passe, tu vois, mais ce qui dépasse l'actualité, c'est la réflexion métaphysique, tu sais, c'est la vision globale, la vision d'ensemble. Et si tu veux, quelque part, quand je vois, moi, des gens qui se disent musulmans, qui se disent croyants, et que tu les vois prier et tout ça, et que je les vois à la vitesse à laquelle ils tombent dans ce genre de piège, dans ce genre de lavage de cerveau, et qu'ils arrivent à ne plus se dire bonjour. Moi, j'ai un oncle l'autre jour, il ne voulait pas me dire bonjour, je l'ai attrapé de force, je lui ai léché le front. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est parce que ça m'énerve, ça m'énerve. Je supporte plus de voir les gens D'accord. se laisser embrigader comme ça. Et quand tu regardes les chiffres réellement, c'est quoi? 99,6% des gens survivent à cette maladie. Donc pour 99,6% de gens qui survivent à cette maladie, toi tu vas aller vacciner la population entière. C'est comme si je disais, par exemple, il y a 10% de gens qui meurent, bon, on va dire même 20% de gens de morts qui meurent du cancer. Donc je vais faire une chimiothérapie à tout le monde. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, Il y c'est a, tu l'effet vois, il y a, on dirait qu'il n'y a spécifique plus rien qui fait facteur. du sens aujourd'hui. Et les gens qui veulent faire du sens et qui essaient de raisonner, eh bien, on fait ce qu'on appelle de la novlangue. On va leur coller une étiquette de complotiste sur le dos. Et à ce niveau-là, ben voilà, tu vois, la conversation est terminée. On n'est plus dans le débat d'idées, on est dans le diagnostic. On t'a diagnostiqué fou ou malade ou perturbé. Et à ce moment-là, tu n'as plus d'importance dans le débat, tu vois. Parce que là, en fait, si tu veux, regarde, même les meilleurs professeurs, on est en train de les faire passer pour des charlatans. Aujourd'hui, qui c'est qui va nous donner la solution? C'est le plateau de CNews, c'est le plateau de BFM. Et je rappelle juste à titre indicatif, hein, ils se sont fait choper dans un restaurant clandestin avec des flics. Avec, enfin, il y avait tout un tas de mélange de genres dans ce restaurant, et notamment des présentateurs de BFM TV. C'est dire à quel point ils croient aux choses qu'ils nous font avaler. Et nous, on est là à les écouter et on ne sait même pas qui sont ces gens-là. Je me rappelle, j'avais un prof à la fac qui me disait, avant d'accepter la moindre idée, il faut savoir le qui, quoi, comment, pourquoi. Tu vois, tu dois te poser des questions avant de prendre un livre. Qui est ce livre? Qui a écrit ce livre? D'où vient ce livre? Pourquoi on a écrit ce livre? Qu'est-ce qu'on essaie de me faire passer dans ce livre? Tu vois, la même chose pour là, on va parler même du réchauffement climatique. D'où vient cette initiative? D'où vient ce truc? D'où vient, tu vois? Il faut essayer de comprendre dans quoi on nous amène. Il faut toujours avoir une vision globale, tu vois, une vision holistique. De la même manière que pour la santé, en philosophie ou en termes de pensée, il faut toujours avoir une vision globale et pas t'arrêter juste aux faits, pas t'arrêter aux symptômes ou alors à l'actualité. Je peux faire un parallèle entre les deux. Enfin, j'espère que j'ai répondu à ta Tout question. à fait. Je Après, m'arrête parce que sinon c'est ce que je vais. voilà, c'est ce que voilà, c'est ce que je dis dans le cours. J'invite les gens. Moi, voilà, je partage tous les cours. Hein, c'est gratuit. J'invite vraiment les gens à réfléchir, à se poser des questions. Au lieu de dire, ah, c'est ma belle-mère qui m'a fait la sorcellerie. C'est le mauvais œil. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Est-ce que toi, tu as fait quelque chose pour renforcer ton corps? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà cette notion de prévention, il se protégeait matin et soir, alors qu'il était prophète, alors que lui, on le voyait une lumière autour de lui, son aura, elle était énorme. Il est protégé par Allah, malgré ça, il se protégeait. Il invoquait Allah contre la maladie, contre la pauvreté, contre les ennemis, etc. Donc pour vous dire, et quand il mangeait, il faisait très attention. Il faisait très attention à l'eau. Maintenant, voilà, ce que je vois, c'est que les gens, ils sont dans les supermarchés. Moi, quand je rentre au Carrefour, ou quand je rentre, voilà, pour acheter des vêtements, etc., je vois les gens, on dirait qu'ils font tout à l'envers. Ils consomment. On est dans une société de consommation. Donc, la spiritualité, l'intelligence, ça n'existe plus. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de maladies. D'accord, il y a la nutrition, Exactement. etc., mais il y a l'effet psychologique. Les gens, Exactement. la télé nous rend malade. Exactement. Après, tu peux avoir que de la compassion pour les gens parce que tu ne peux pas non plus les blâmer constamment pour ce qui est. Enfin, tu vois, moi qui suis né dans les années 70, quelque part, on est né dans ce système. Tu vois, là, par exemple, aller faire tes courses ailleurs que dans un supermarché au jour d'aujourd'hui, tu vas aller au marché, tu vas bricoler, mais tu es obligé d'y passer. Tu es obligé d'y passer. Tout à fait. Tout à fait. Pratiquement tout le temps, tout le monde est obligé d'y passer. En fait, si tu veux, il faut pas combattre ce système, en fait, tu vois. Il faut pas perdre son temps. Il faut construire autre chose à côté, quoi. Je pense que là, on est dans une époque charnière où les gens vont devoir se retirer progressivement et essayer de s'éloigner des villes, s'éloigner du, essayer de trouver, construire quelque chose en parallèle de ce système. Ce système, de toute façon, il est, comment te dire, il est déjà condamné, quoi. Il est mort. Il tient sur quoi? Il tient sur rien du tout. Il tient sur du crédit. Il tient sur. Enfin, il tient que sur du mensonge en fait. Et tout le monde en a marre de ce système. C'est pour ça que j'entends beaucoup de gens qui me disent qu'ils veulent revenir à comment c'était avant. Mais en fait, si tu veux comment c'était avant, c'est la graine qui a donné le fruit d'aujourd'hui, hein, ce qu'il y avait avant. On est dans cet état où on est aujourd'hui parce qu'il y a tout ce qu'il y avait avant. Parce qu'on a dévié avant. En fait, si tu veux, le plus gros problème de l'humanité, quelque part, enfin modestement, hein, je le dis, mais c'est un problème de désobéissance. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que au lieu d'écouter la sagesse, on a préféré écouter BFM. Tout à fait. Mais Abdelaziz, moi j'ai parlé à ma collègue,
Je lui dis que les gens comme moi et toi et d'autres, ils sont quand même, on va dire en France, ils sont quand même pas nombreux, quoi. On voit la masse, c'est les moutons, quoi. Ils croient, ils ont peur, Eh ils bien, mangent n'importe exactement, quoi. tu. Donc, je suis pas aussi C'est pour optimiste ça que que c'est toi. le règne de la quantité. C'est le règne de la quantité. Et en fait, De la tu vois, quantité, au donc plus ils sont ça va. nombreux, et au moins Oui. nous, D'accord. on... enfin, c'est le Voilà, règne là, de on la a sorti. quantité. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. D'accord. Donc là, on a sorti un petit peu de sujet. On parlait de Covid, etc. Mais tout est lié, hein, donc c'est Oui, très important que voilà, puisse réveiller les gens pour qu'ils puissent se guérir, ce qui sert à la santé. D'accord. Moi, je dis, ben, si j'ai tu veux, reçu. Ouais, on j'ai peut reçu. revenir. Ouais, j'ai reçu une femme hier. Elle m'a dit, moi, depuis que j'ai regardé une émission sur la dépression, je dors plus la nuit. J'ai maintenant la phobie contre les maladies. Je lui dis, il faut jeter la télé. D'accord? C'est C'est très ça. simple. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont attrapé le Covid. Et le Covid, ils ont agi même avant, etc. un petit peu. Mais les symptômes, ils ont augmenté parce qu'ils avaient peur de mourir. Donc, on voit comment la peur tue les gens, quoi. Vous voyez, donc Exactement. Et le le stress Satan, aussi, tu sais. il a décrit dans le Coran, il fait peur. C'est-à-dire, il vous fait peur quand il a décrit le Shaitan, waswas, la télé, c'est un waswas pour moi. C'est un diable. Donc, il y a même un hadith qui parlait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la fin des temps, les signes de fin des temps, que dans chaque maison, il y aura quelque chose de pire. Oh, j'ai oublié le hadith comment exactement, mais c'est la télé. Ils ont, les savants, ils ont dit que c'est la télé ou c'est le satellite qui fait entrer cette maladie dans chaque foyer. Une fitna dans chaque foyer, ils ont dit que c'est la télé. Ou l'autre, ils ont dit c'est le téléphone, Exactement. d'autres, c'est Internet. Donc, il faut, Oh, voilà. maintenant, ouais. On va revenir un Non, petit peu au maintenant, sujet, un titre. t'as pire que la télé, t'as les réseaux sociaux maintenant. Tout à fait. Donc, tout le monde, on est T'as connecté, maintenant, hein, tu donc. sais, à l'époque, tu sais, tu pouvais dire du mal des gens que quand tu étais avec quelqu'un d'autre, tu vois. Là, aujourd'hui, maintenant, tu peux te retrouver seul dans ta chambre et dire du mal des gens. Tout à fait. Donc, on mange C'est, halal, si tu halal, veux. Le tout le monde. diable, il a des outils qu'il n'avait pas avant, quoi. D'ailleurs, j'invite les gens à lire un livre de Gunther Schwab qui s'appelle Danse avec le diable. Tu lis ce livre, tu vas halluciner complet. Et c'est exactement le détail. En fait, si tu veux, c'est une conversation avec Iblis dans un bureau qui lui est avocat, etc. Et tout le long, ils expliquent en fait l'état du monde dans lequel on est. Mais c'est vraiment absolument hallucinant, hallucinant. Et c'est ça. C'est comment te dire? Les gens ne se rendent pas compte. En fait, tu vois, comme disait Baudelaire dans un de ses livres, le plus grand tour que le diable nous ait joué, c'est de nous faire croire qu'il n'existait pas. Et à partir du moment où il Tout à fait. n'existe pas, tu t'en méfies pas. Tout Mais à fait. après, voilà. Je vais abonder dans ton sens, dans le sens où, je ne sais pas si tu te rappelles de Farid al-Ansari, c'était un grand érudit marocain, et justement Oui. vis-à-vis de la sorcellerie, de tout ce qui est possession et tout ça, il leur disait n'exagérez pas, n'exagérez pas. Justement, il expliquait ce que tu disais, qu'il y a tout un tas de choses que Dieu a fait pour protéger, pour fermer, pour empêcher la possession, etc. Il y a énormément de choses qui sont faites et que limite presque, c'est que si tu te fais posséder, c'est presque que tu l'as demandé, quoi. Ou Tout que à tu as fait fait, les il y a plein choses de pour que choses. ça arrive. Bien sûr, c'est ce que je veux. Moi, si je suis en train de faire des lives et je cherche des contacts, etc., est-ce que je suis pour l'approche holistique? Moi, avant, je récitais sur les gens, je récitais, je donnais, allez, lis le Coran, bois de l'eau coralisée, fais les douches. Et crois-moi, depuis des années, je perdais mon temps, il n'y avait pas de résultat. Je pétais un câble, excusez-moi pour le terme, mais ça n'avançait pas. Le jour où j'ai commencé à comprendre qu'il y a des problèmes dans la famille, qu'il y a une nutrition malsaine, qu'il y a de la toxicité, qu'il y a une maison à soigner, qu'il y a des énergies, qu'il y a beaucoup de choses, waouh, oui, des bons résultats. Donc, Oui, exactement. et moi, ce que je disais l'autre fois, mon rêve, c'est de constituer un réseau de thérapeutes en France, nutritionnistes, médecins, psychologues, psychiatres. Coach, développement personnel, travailler tous ensemble. On prend quelqu'un qui est pourri, excusez-moi, ça veut dire qu'il a trop de maladies occultes, qui a beaucoup de problèmes psychologiques, qu'il a beaucoup de problèmes de la famille, etc. Et on le renvoie.
Allez, maintenant, tu vas passer quelques séances avec naturopathe pour corriger ton alimentation, renforcer ton intestin, augmenter ton immunité, voir avec le rachis comment donner le traitement. Ça, c'est l'oiseau du diable. Ça, c'est la maison. Ça, soit soigner la mère. Soit il faut voilà, faire hijama, etc. Après, le renvoyer vers un coach, un psychologue, etc. Parler de ses souffrances, des obstacles. Et comme ça, c'est la vraie médecine pour moi. Que Ben oui, c'est la l'approche personne, globale. elle va être. Elle va, et tout notre religion, c'est ça. Allah, il a dit, ça veut dire la globalité de la notion de la globalité de la religion. La Exactement. globalité dans la C'est une religion, approche et elle globale, une existe, la approche globalité dans holistique. la politique, la globalité dans l'éducation, la globalité dans la médecine. Cette notion de globalité, toujours. Maintenant, à cause de la concurrence, à cause de l'intérêt, etc., chacun y travaille tout seul. Moi, j'ai beau contacter des thérapeutes et des imams. Allez, on fait des lives, on parle, etc. On va faire des l'union, on fait la force. On reste toujours des musulmans, Allahu Akbar, bismillah, dans la mosquée, khutbah, et hop, tu rentres chez toi. Non. Faut qu'on montre que soigner, ça existe déjà dans notre religion. Qu'on a le jeûne, qu'on a la gratitude, qu'on a le yakana, qu'on a plein de choses qui existent déjà dans notre religion. Mais faut qu'on bouge. Et Abdelaziz, donc moi, j'aimerais bien, parce que moi, la majorité des gens qui me consultent, je les renvoie. Va vers un naturopathe, fais un psychologue, va dans le coach développement personnel. Ça suffit pas, hein, parce que normalement, toutes ces choses, on devrait l'apprendre dans l'école. De bien manger, de bien penser, de bien prier, de bien Exactement. se marier, de bien accoucher. Nous, on fait tout, tout à la mère. Et puis, après, je reçois une femme de 40 ou 45 ans, elle a tous les problèmes du monde, tout. J'ai peur parfois, je dis comment réparer ça? Donc voilà, et moi je parle à tous ceux qui m'écoutent, parce que ça va être sur YouTube, etc., qu'on doit bouger. Parce qu'on a tout pour être malade. Le cancer est devenu comme un rhume maintenant. Et ça fait très peur. Et le shaitan, je l'ai Ouais, dit plein de fois, comment le dans shaitan, notre il approche. pousse à boire du coca. Excuse-moi, vas-y, je finis avec, je te laisse parler. Le shaitan, il nous pousse à boire du coca, surtout. Et moi, je l'ai constaté. Je les vois, les femmes, elles sont possédées, etc. Moi, je dis, je peux pas, j'ai trop envie de. Et je sais qu'il le djinn, parce que je ne peux pas vous expliquer. Mais le sucre et le djinn, ça a un grand lien. J'avais Absolument. une femme, excuse-moi, Abdelaziz. Très important, il y avait une femme où j'ai connu, elle a un djinn, et au milieu de la nuit, mais là, un waswas qui lui a dit, allez, va sortir, je sais pas, elle m'a dit, je sais, c'est le shaitan, va sortir là-bas, prends de l'air au bout des escaliers. Et après, elle entendait une voix qui lui a dit, regarde à gauche, il y a une cigarette. Regarde le shaitan, comment il fait. Elle a regardé à gauche, dans la rue, elle a trouvé une cigarette. Alors que la femme, ça fait 2 semaines qu'elle voulait pas fumer. Le djinn en elle, il lui a parlé pour qu'elle puisse fumer. Pourquoi? Pour qu'il reprenne ses forces. Donc la cigarette dans le corps, c'est quelque chose, si vous voulez, des vitamines pour le djinn. Juste pour expliquer aux gens, ce qu'on fait rentrer comme malbouffe ou cigarette ou alcool, etc., ça renforce le djinn. Donc, vous voyez, c'est pas soigner, c'est former, en fait. C'est réveiller la conscience. D'accord, je peux donner moi un traitement, allez, lave-toi, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, mais ça avance pas tant qu'on ne comprend pas. Et c'est la même chose que dit Abdelaziz. C'est que le corps, il a besoin de refonctionner parce qu'il fonctionne très mal. Donc Abdelaziz, je voudrais moi aborder le sujet du stress et de l'anxiété. Je vois que sur ton site, tu en parles de ça. Il y a toujours le lien entre le ventre et le cerveau et les hormones du bonheur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, en fait, si tu veux, il y a plusieurs axes, hein, tu vois, mais comment te dire? Le stress, si tu veux, il peut même modifier jusqu'à ton immunité. En fait, si tu veux, quelque part, le stress, il est bénéfique. Il est bénéfique dans le sens où si ce qu'on appelle, nous, le fuit ou combat, c'est-à-dire que si tu as un danger, par exemple, tu as un chien qui t'arrive dessus, c'est ce stress qui va te permettre soit de te battre et de préserver ta vie, soit de t'échapper pour pouvoir échapper au danger, tu vois. Mais ce stress à l'époque, il était ponctuel.
Et quand il est ponctuel, le stress, il a tout un tas de côtés bénéfiques. Il peut même booster un peu ton immunité, etc. Là où ça devient un problème, en fait, c'est quand le stress devient chronique. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu passes ta journée devant CNews ou BFM TV, il y a un moment donné, écoute, le stress, tu vas l'avoir toute la journée. Oui. Ou alors quelqu'un qui va aller travailler et qui a une personne toxique autour de lui, un chef toxique qui va venir le stresser tous les jours. Là, tu vois, tu n'as jamais de break dessus. Et donc là, tu peux avoir aussi ce qu'on appelle, nous, une fatigue surrénalienne qui va apparaître. C'est-à-dire, c'est au niveau des surrénales. Là, on va repartir sur les hormones. Tu as de la cortisone qui est produite. Et en fait, si tu veux, c'est l'axe HPA, hypophyse surrénale. En fait, si tu veux, il y a énormément de comment s'appelle, d'hormones qui vont être produites. Et au bout d'un moment, ça va faire un épuisement. Et tu vois, on parlait de micronutriments. En fait, tu as besoin de certains micronutriments pour reproduire ces genres de choses. Mais au bout d'un moment, tu t'épuises. Donc, la première des choses, par exemple, quand tu es stressé, que tu épuises, c'est le magnésium. Et si tu manques de D'accord. magnésium, le magnésium et le zinc, par exemple, ils rentrent dans 230 opérations, comment on va dire, anatomiques, même biochimiques dans ton corps. Donc, s'il te manque ces éléments, il y a un moment donné, il va te manquer quelque chose, tu vois. Et ça va entraîner une cascade de choses, d'autres choses. Et au bout d'un moment, tu vas accéder à la maladie, tu vois. Et en fait, si tu veux, pour revenir aux pathologies, en fait, nous, ce qu'on considère en termes de naturopathie, c'est qu'il y a 8 pathologies fondamentales qui sous-tendent toutes les maladies chroniques, tu vois. Et on revient toujours à la base, hein. La première des causes, c'est toujours le dysfonctionnement et le déséquilibre intestinal, tu vois, c'est la dysbiose, comme je te disais tout à l'heure, ça vient d'un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement intestinal, il comprend, comme j'expliquais tout à l'heure, la prolifération bactérienne de l'intestin, le SIBO, les candidoses, les bactéries, les virus, donc tout ce qu'on va pouvoir faire rentrer par l'alimentation. Et justement, tu parlais de sucre, tu parlais de coca, quand tu consommes trop de sucre, au bout d'un moment, il se passe ce qu'on appelle, nous, une dysbiose au niveau de tes intestins. Et là, tu vas avoir, tu vois, tu vas favoriser, si tu veux, les bactéries pathogènes. Et donc, les pathogènes, en fait, quelque part, c'est elles qui vont faire un peu ce was-was que tu disais tout à l'heure, qui vont commander à la tête, il me faut plus de sucre. Il me faut plus de sucre. Je veux du sucre. Tu vois, et tu vas aller chercher dans les placards, tu vas commencer à fouiller et à essayer de trouver un chocolat ou un truc. Et au final, en fait, si tu veux, à trop consommer de sucre, tu vas arriver à un autre problème aussi, où tu vas utiliser trop d'insuline. À D'accord. toujours réveiller l'insuline, toujours réveiller l'insuline, tu vas créer une résistance à l'insuline. Et puis là, après la résistance à l'insuline, ça va être un prédiabète. Puis après le prédiabète, ça va être le diabète directement, le diabète de type 2. Donc tu vois, il y a une cascade de choses qui se font. La deuxième chose, c'est le déséquilibre nutritionnel. Mais le déséquilibre nutritionnel, il est issu de la première cause que je viens de te citer, tu vois, le mauvais fonctionnement intestinal. Donc si je n'ai pas un bon fonctionnement intestinal, à ce moment-là, je ne vais pas avoir les micronutriments dont j'ai besoin. Après, tu parlais du stress, je te disais qu'il y avait la dysrégulation HPA, donc c'est la dysrégulation de l'axe HPA. Elle comprend la régulation de la communication entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales, comme je te disais tout à l'heure. Et l'équilibre de la production d'hormones associées à ces glandes, si tu veux. Donc si tu es tout le temps en permanence en stress, à ce moment-là, tu vas épuiser ton corps, tu vois. Et on parlait tout à l'heure de force vitale. Tu auras moins d'énergie pour faire autre chose. Il y aura moins d'énergie pour ton cœur. Il y aura moins d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, ça va tirer un tas d'autres problèmes. Le quatrième point qu'on pourrait dire, c'est le fardeau toxique. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'exposome, ce qu'on va faire rentrer au niveau de notre corps, tu vois, ça va avoir des conséquences. Donc, forcément, ça va déséquilibrer notre santé. Et si on déséquilibre, là aussi, le stress, ça peut l'aggraver, tu vois. Ça peut même aller jusqu'au problème psychologique. Ensuite, tu as l'infection chronique. L'infection chronique, là, c'est quand tu vas faire rentrer, mettons, tu fais rentrer une espèce de bactérie, mettons que tu as pas assez d'acidité au niveau de ton estomac. À ce moment-là, quand tu vas rentrer, mettons, une salade qui a été peut-être, on l'a fait pousser au milieu échec des excréments, tu vois. Ces excréments, si ce n'est pas bien nettoyé, tu vas les rentrer dans ton estomac. Comme il n'y a pas assez d'acidité, tu vas te retrouver avec ces bactéries au niveau de ton intestin. Et là, ça risque de rester. Et si tu nettoies pas, tu vas te retrouver avec de gros problèmes, tu vois. Ça peut même engager ton diagnostic vital à ce niveau-là.
Ensuite, tu as les déséquilibres hormonaux. Là, je pense souvent aux déséquilibres qui peuvent inclure le métabolisme, par exemple l'insuline dont je parlais tout à l'heure, la leptine, les problèmes de thyroïde, comme par exemple des choses qui peuvent venir perturber le goitre thyroïdien, comme l'œstrogène, la progestérone, la testostérone, tu vois, des choses comme ça. La septième cause de maladie, ça peut être aussi une dysrégulation immunitaire. Donc, cela comprend ce qu'on disait tout à l'heure, l'auto-immunité. Et en fait, le huitième point, en fait, c'est le dysfonctionnement cellulaire. Et là, un dysfonctionnement cellulaire, cela peut avoir une référence à la méthylation ou alors à une production d'énergie. En fait, si tu veux, dans ton corps, tu as ce qu'on appelle, nous, les mitochondries, qui sont des usines à énergie, des batteries d'énergie. Et c'est des cellules, en fait. Et si tu n'as pas la bonne oxygénation, si tu n'as pas… une alimentation saine. Si tu manges trop de sucre, au bout d'un moment, tu vas les étouffer, tu vois. Et en fait, tout ça, ça peut aussi référer à ce que tu disais tout à l'heure, et ça peut apporter tout un tas de stress. En fait, tu rentres dans un espèce de cercle vicieux où tu ne peux t'en sortir que si on te tend la main ou si tu te reprends, tu vois. Mais si tu te laisses entraîner par cette spirale descendante, en fait, tu vas ne faire que descendre. Petit à petit, et j'en ai vu des exemples comme ça. Petit à petit, tes forces, elles vont partir. Et si tu n'as plus de force pour combattre la maladie, ou même ne serait-ce que pour penser positivement, pour te rétablir, là, je donne pas cher de ta peau parce que après, ça va très vite. Une fois que tu arrives aux carences extrêmes, je te garantis que pour revenir en arrière, c'est très difficile. Et comme tu disais, ce serait bien si on pouvait créer, tu vois, un genre de clinique holistique où tu aurais plusieurs spécialistes, chacun dans son domaine. Même si j'aime pas ce truc de spécialiste, parce que pour moi, la santé, elle est holistique. Il faut une approche globale. Et que si tu veux, à l'époque, des prophètes, etc., ils avaient une connaissance globale des choses, tu vois. Et il faut avoir, même si on dit que, mettons, toi, tu es rapide, l'autre, il est psychologue, il nous faut un petit peu de toutes ces connaissances, tu vois. Et après, il faut tout le temps, tu vois, s'entraider, faire passer à un spécialiste qui va peut-être aider si vraiment on est persuadé que la personne, elle a un problème de possession. D'ailleurs, même au Vatican, hein, tu as des spécialistes de l'exorcisme. À l'époque, c'était, comment il s'appelle? Balducci, qui était le spécialiste de l'exorcisme. Corrado Balducci. Et d'ailleurs, c'était aussi le spécialiste des extraterrestres. Mais bon, ça reste de côté. Mais enfin, bref. Dans toutes les religions, tu l'as, ça. Et si vraiment on sent que la personne elle a vraiment un problème là, toi, tu peux pas faire grand-chose en tant que nutritionniste, naturopathe. Donc là, à ce moment-là, oui, tu vas avoir besoin de l'autre personne. Mais dans notre profession, nous, en tant que naturopathe, on est obligé quelque part d'être psychologue. On est obligé quelque part aussi d'avoir un petit peu d'empathie vis-à-vis des gens. Tu vois, on parlait tout à l'heure, oui, ils font tous leurs courses comme ça, comme ci, comme ça. Mais tu vois, il y a peut-être des raisons, tu vois, de son éducation, de son truc. Des fois, il faut un bon bout de temps avant de déprogrammer quelqu'un et de remettre des bonnes habitudes. Donc, tu vois, comme je disais dans un de mes articles, si tu veux faire le changement, si tu veux faire des grands changements, il faut changer petit. Il faut faire de petits changements tous les jours. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer les gens. Et après, tu vois, là où j'aime pas trop, par exemple, certaines personnes, quand elles prêchent, c'est qu'on va toujours culpabiliser la personne. Si la personne, déjà, elle n'est pas bien, tu lui dis, toi encore, t'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien, on va pas l'aider. On va pas l'aider. À un moment donné, il C'est faut sûr. créer un environnement positif autour de cette personne. C'est Il faut sûr. créer aussi l'envie de cette personne de vouloir, tu vois, rebondir et se sortir de ce genre de problème. J'ai une personne dans ma famille que j'essaie d'aider en ce moment, tu vois, et je le vois, tu vois, je sens que, tu vois, c'est pas la peine d'aller lui dire, oh, c'est pas bien ce que tu as fait, oh, tu aurais pas dû faire ça, ou tu vois, des trucs comme ça. Par contre, tu vas essayer de créer une activité, l'amener avec toi. Tu vas essayer, tu vois, tu vas essayer d'être la personne qui va donner cette énergie, justement, qui va donner cet entrain pour que la personne puisse enclencher après d'elle-même. Et après, une fois qu'elle aurait appris à marcher, là, à ce moment-là, tu peux la lâcher, tu vois. Mais voilà, c'est pas simple, tu vois, des gens. Il y a même des gens qui, tu le sais très bien, hein, qui veulent pas être aidés. Mais comme je dis, tu vois, il y a toujours des causes sous-jacente, il y a toujours des causes profondes à la chose. Et ce n'est pas en s'attaquant aux symptômes qu'on aide la personne, c'est en s'attaquant aux causes profondes. Et les causes, elles peuvent être physiques, comme je viens de le décrire, mais elles peuvent être aussi psychologiques, elles peuvent être même spirituelles, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que tu disais. D'accord, merci à Blasi, on se rejoint tout à fait. Hein, donc, j'aime bien ce que tu dis. On se rejoint sur tous les points. Là, ça avance beaucoup. Je ne veux pas que le live soit trop long.
Ta consultation, quand tu reçois les gens, est-ce que tu peux décrire, hein, c'est combien de séances, comment ça passe par un diagnostic avant, comment ça se passe en général avec toi? En général, quand la personne elle a un problème et qu'elle vient me voir, c'est qu'elle a été recommandée. Tu vois, c'est quelqu'un qui lui a parlé de moi et elle vient vers moi. Donc, la première chose que fait une personne, c'est qu'elle te parle de ses symptômes. Donc, elle va te dire, tadadadada. Et moi, je lui dis, écoute, c'est pas comme ça que ça marche. J'entends, je te laisse me parler, ok, j'entends bien, mais j'ai un questionnaire. D'accord? Et ce questionnaire, c'est ce qu'on appelle, nous, l'anamnèse, le bilan de santé. Au travers de ce questionnaire qui dure à peu près 45 minutes, où je vais me renseigner sur ses antécédents familiaux, me renseigner sur ce qu'elle mange, me renseigner sur dans quoi elle travaille, me renseigner sur ses habitudes de vie, combien de fois elle fait pipi, si elle fait caca tous les jours, je m'excuse pour caca, mais bon, pour être Pas de vraiment souci. pour imaginer la chose, si elle fait pipi tous les jours, combien de fois elle fait pipi par jour, etc., etc. En fait, c'est vraiment ce que n'a pas le temps de faire un médecin. Quand tu vas voir un médecin, tu le vois pour 5-10 minutes, tu vois. Il te donne son diagnostic, il te donne sa médication. Et Rabbi Aoun, comme on dit, que Dieu t'aide. Nous, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre à peu près 45 minutes, voire 1 heure, même des fois même plus. Ça dépend de la conversation que tu as avec la personne. Et à ce moment-là, tu vois, on va remplir ce questionnaire. Une fois que j'ai ce questionnaire rempli et que j'ai la conversation avec la personne, ce qu'elle peut m'apporter en plus, c'est justement ce qu'on disait, c'est pour ça que je parlais d'adjuvance avec la médecine conventionnelle, elle va m'apporter le compte-rendu médical de son médecin, avec les bilans de sanguin, avec toutes les analyses qu'elle a faites dans la dernière année, etc. Et moi, à ce moment-là, je vais analyser tout ça, d'accord? Une fois que j'ai analysé tout ça, je vais me rendre compte de certaines choses. Et je vais essayer de voir les causes profondes de ce problème. À ce moment-là, en accord justement avec son médecin et en adjuvance avec le traitement qu'elle continue, parce que moi, en tant que naturopathe, je n'ai pas le droit de supprimer les médicaments du médecin. Donc, ça, il faut bien le savoir. Quand tu vas voir un naturopathe, ce n'est pas lui qui te prescrit les médicaments. Ce n'est pas le boulot. Ce n'est pas moi qui fais le diagnostic. Le diagnostic, il a été fait en amont par le médecin. Moi, ce que je vais chercher, c'est la cause profonde du problème. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est des recommandations au niveau botanique, justement, pour ce que tu disais tout à l'heure au niveau des plantes, peut-être huile essentielle. Ça, je le recommande à tout le monde. Les huiles essentielles, c'est magique. Et avec ça, tu vois, je vais donner un plan d'attaque. C'est-à-dire, voilà, il y a tel problème, on va traiter le fond. Une fois qu'on a traité le fond, on va commencer les nouvelles habitudes. Une fois qu'on a commencé les nouvelles habitudes, on va essayer de les renforcer. Quand on les a renforcées, on va essayer de passer plus en amont. Donc, en fait, si tu veux, le premier rendez-vous, c'est juste une prise de contact. Après, tu as le deuxième rendez-vous. En général, je le fais 10 jours après le premier rendez-vous. À ce moment-là, on fait le bilan sur la détox que je lui ai donnée, sur les premières recommandations que j'ai faites, voir si on est parti dans le bon sens ou si on n'est pas parti. À ce moment-là, on fait les adaptations. Et puis après, on a un autre rendez-vous au bout d'un mois. Et à ce moment-là, on fait le point, voir si on est sorti d'affaire ou pas. Après, tu vois, il y a des gens où je suis obligé de les prendre beaucoup plus régulièrement parce qu'elles ont des problèmes beaucoup plus profonds. Mais après, ce n'est pas le même type de prise en charge, si tu veux. Tout dépend, en fait, si tu veux, de la situation de la personne. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est spécifique. On n'a pas une approche globale pour tout le monde. Notre approche, elle est vraiment spécifique à la personne qu'on a en face, et justement vis-à-vis de ce questionnaire. Est-ce que ça D'accord. répond ou pas? Oui, Ça te donne une c'est idée. En clair. fait, grosso modo, la grosse différence entre nous et la médecine conventionnelle, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que la médecine conventionnelle, elle va s'attarder sur le symptôme, gérer le symptôme. Donc, tu as une visite qui fait 10 minutes, un quart d'heure à tout casser, si tu as vraiment du bol. Alors que nous, la visite, elle est beaucoup plus longue. On va faire une enquête, tu vois. Et après l'enquête, en fait, on devient des éducateurs. Donc, on est des détectives et des éducateurs. D'accord, c'est une approche, c'est ça ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle. L'approche fonctionnelle, en fait, ça, si tu veux, c'est grosso modo ce que font tous les naturopathes. Après, si tu veux, leur méthodologie, c'est là qu'elle va changer. Moi, ma méthodologie, elle est fonctionnelle. Tu parlais d'Irène Grosjean, il y a une grosse différence entre Irène Grosjean et moi-même. Tu vois? On va prendre, comment il s'appelle, Casas Novas, ou tu vois, il y a tout un tas.
Celui que je dirais qu'on a des points communs, paix à son âme, c'est Robert Masson. Je ne sais pas si tu le connais. D'accord. Alors, Robert Masson, je trouvais que voilà, il avait plus les pieds dans la science, plus ancré dans la réalité. Il n'a jamais dit qu'il fallait être végétarien, par exemple. Tu vois, il a écrit un livre qui s'appelle Un pistolet dans l'assiette. Et je recommande d'ailleurs une vidéo sur YouTube que vous pourrez aller voir si vous avez envie d'aller la voir. Robert Masson, c'était quelqu'un de très sensé et je respectais beaucoup son approche. Après, nous, on est allé un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on est passé à la médecine fonctionnelle. On a laissé tomber tout un tas de choses qui nous paraissaient farfelues, mais lui, franchement, j'ai pas jeté grand-chose de Robert Masson, hein. Je respecte carrément. Par exemple, sur le pH acide, il ne s'est pas laissé prendre. Tu as beaucoup de naturopathes, par exemple, pour mesurer le pH de ton tissu ou le pH de ton sang, ils vont te faire pisser sur une bandelette. Et suivant le pH du pipi, ils vont te dire tu es acide ou tu n'es pas acide. Alors que c'est complètement stupide. On sait pertinemment, par exemple, que si tu manges de la viande, ton corps il va éliminer beaucoup plus de choses. Donc, tu vas avoir une urine beaucoup plus acide. Mais ça, c'est de l'anatomie. Il faut comprendre ce que font les reins, il faut comprendre ce que font tes filtres. Et que si tu as un pipi acide après avoir mangé de la viande, ça veut juste dire que tes reins, ils ont bien fonctionné. Mais ça ne veut jamais dire que tu as modifié le pH de ton sang. Là, en fait, si tu veux, le pH de ton sang, il est aux alentours de 7,43, un truc comme ça. Et un petit peu au-dessus ou un petit peu en bas, tu vas te retrouver dans un malaise. D'accord. Donc si on regarde la naturopathie en France et la compare, toi tu as vécu aux États-Unis, à l'Amérique du Nord, c'est ça? Tu Ouais, au étais là-bas, Canada, je crois, j'ai au Canada. Il y a une différence entre les écoles ici, là-bas, les approches. ouais, si tu veux, aux États-Unis, on est considéré, en fait, moi, si je devais m'établir, par exemple, en Columbine, du côté du côté anglo-saxon du Canada, je serais considéré comme un médecin en naturopathie. Et ouais, je pourrais utiliser ce titre, et à ce titre-là, je peux même faire des diagnostics là-bas. Et aux États-Unis, suivant les États où tu es, tu peux le faire. Par contre, dans les pays francophones, non, tu vois. Et il faut comprendre aussi que nous, quand on est formé au Canada, c'est 4 000 heures de formation, tu vois. Donc, ça se fait sur 3-4 ans. Au niveau anatomie, c'est très solide, tu vois. Oui, c'est une vraie, vraie formation, tu vois. Mais après, on n'est pas des médecins, on n'a rien à voir avec eux. Leur approche, c'est la leur et la nôtre, c'est la nôtre. Par contre, en France, tu vas venir te former en naturopathie, tu as 1 milliard de formations. Et certaines, elles sont tout aussi farfelues les unes que les autres, je trouve. Après, tu as certaines écoles qui sont sérieuses et qui ont une vraie approche, tu vois, qui vont t'enseigner l'anatomie, la physiologie, la biologie, qui vont, tu vois. Là, aujourd'hui, là, tu peux aller trouver même des formations qui font 80 euros. À 80 euros, tu deviens un naturopathe. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réglementation pour l'instant en France, dans les pays francophones. Donc, du coup, c'est la porte ouverte à toutes les bêtises, tu vois. Bientôt, on va avoir une formation à Lidl. Je suis persuadé. Je suis sûr qu'on n'est pas très loin de ça. À Mais fait. c'est dingue, hein? C'est exactement ça. Alors que si tu veux, par exemple, si tu viens te former, par exemple, chez nous, tu vas étudier l'anatomie, la physiologie, la biologie, sur le livre de Nicole Munch. Nicole Munch, c'est le niveau infirmière. Donc déjà, tu vois, niveau anatomie, là, c'est pas mal quand même. Niveau infirmière, tu as quand même un livre de 800 000 pages à te taper quand même, avant de passer ton examen. Et il te faut connaître un petit peu comment fonctionne le corps. Et ça t'empêche de tomber dans les panneaux dans lesquels tombent la plupart des naturopathes. Et tu disais tout à l'heure, justement, à juste titre, hein, enfin, tu vois, je dénigre personne, hein, je ne suis pas en train de dénigrer telle approche ou tel truc. Mais comment te dire? Suivant l'approche que tu vas avoir, en fait, tu vas tomber sur tout un tas de gens qui ont des. Qui, comment te dire? Leur approche, elle est complètement délire. Et ils vont pas aller essayer de comprendre vraiment pourquoi tu fonctionnes pas bien. Ils vont te donner directement, comme tu disais tout à l'heure au début, un produit, une plante, un machin. Tiens, voilà, prends tel truc parce que ça, c'est bien pour ça. Prends tel truc parce que ça. Mais il faut comprendre. Enfin, il faut essayer de Ça, c'est comprendre pourquoi la maladie est arrivée. Comment elle s'est établie? Qu'est-ce qui l'a causée? Qu'est-ce qui, tu vois? Il y a toute une d'accord, réflexion. un vrai naturopathe, celui qui doit être formé, combien de temps voilà, c'est 3 ans, 4 ans? En France, tu peux te former en 2 ans pour être naturopathe. Après, tu as D'accord. le diplôme de Dans ton docteur en école, naturopathie qui n'existe pas. dans ton Ah, dans école, mon c'est école, combien c'est de temps? 2 ans. Dans mon école, c'est 2 ans en général. Nous, on dit qu'on a. En fait, les associations, elles demandent 1 200 heures, tu vois.
Et nous, dans notre formation, c'est 1350 heures. Mais 1350 heures juste de naturopathie. Tu ne feras pas de massage chez moi. Tu ne feras pas d'acupuncture. Tu feras pas. C'est des médecines particulières qui sont très bien, tu vois, que je respecte, mais ça n'a rien à voir avec la naturopathie de base. La naturopathie de base, c'est une bonne base en anatomie, connaître les plantes, l'anatomie, la phytothérapie, l'aromathérapie, connaître la nutrition, la nutrithérapie, l'alimentation thérapeutique, la supplémentation, etc. Connaître, enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses de base que tu dois avoir solides. Après, si tu veux faire du massage et tout ça, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec une formation en naturopathie. Donc, nous, c'est 2 ans de naturopathie pure. D'accord. Donc les gens qui Voilà. veulent... Et si tu veux, après, il y a le diplôme au-dessus. Le diplôme au-dessus, c'est docteur en naturopathie, mais celui-là, je l'ai passé moi au Canada, mais tu ne peux pas le passer ici en France. D'accord. Ok, merci. Les consultations avec toi, est-ce qu'il y a des bons retours en général? Oh, moi, Par je suis un vieux de exemple, la pour vieille, tu maladie vois. comme la Donc, maladie de Crohn, par exemple, la maladie de Crohn. Non, la maladie de Crohn, ouais, ça fait partie des maladies auto-immunes. Justement, j'ai traité une médecin qui est venue me voir à l'époque quand j'étais à Fès. Et elle avait justement cette maladie de Crohn. Et en 15 jours, elle a vu la différence. Hein. Elle m'a dit, mais j'hallucine. Mais elle le savait. De toute façon, ce n'est pas les médicaments de la pharmacie qu'elle l'a soignée. Ça faisait des années qu'elle était là. Mais en 15 jours, justement, elle a vu une grosse différence. Donc J'ai des les gens qui, gens, par exemple, sont la diabétiques, sectoroleuse qu'on arrive à en sortir Afrique, de la par maladie. exemple. Hein? On va aborder un petit peu les maladies auto-immunes, par exemple la sclérose en plaques ou maladie de Crohn, sclérose en plaques, c'est quoi les autres maladies auto-immunes? Donc, tu as bien compris ce que je te disais tout à l'heure. Quand je te Oui. disais que 99% des maladies auto-immunes, elles ont leur cause dans les intestins. Et en général, c'est dû à un leaky gut, c'est-à-dire un D'accord, intestin moi. qui fuit. Et dès que ton intestin fuit dans le système circulatoire, à ce moment-là, tu vas avoir l'auto-immunité qui va se déclencher dans énormément de cas. Et c'est à ce niveau-là que D'accord. ça se travaille. Les retours sont généralement positifs au bout de combien de temps? En fait, 2 mois, 3 mois, ça dépend de la personne, Ça ça dépend dépend de pas la. de moi, en fait. Ça dépend pas de moi, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça dépend de l'application de la personne à vouloir sortir de là-dedans. Je vais te donner, tu parlais de la sclérose en plaques. Tu sais, la sclérose en plaques, elle n'arrive pas par hasard. Hein. Je trouve que, par exemple, le profil des gens qui ont la sclérose en plaques, j'ai souvent des médecins, souvent des instituteurs de faculté, tu vois, des gens qui se sont fixés des objectifs vachement hauts, tu vois, qui ont vraiment une intransigeance vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils sont pas tous, et je dis pas que tous les médecins sont comme ça, mais je trouve qu'il y a énormément de ce genre de profil. Et en fait, c'est des gens comment te dire, qui arrivent à un tel point d'exigence que des fois, ils préfèrent se mettre en maladie que d'échouer et de ne pas atteindre ce qu'elles se sont fixées. Est-ce que tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? Il y a un Oui. côté psychologique à la chose aussi. D'accord. Donc ces Et gens là, c'est des là qu'on rentre spécialistes dans le à truc. eux-mêmes. Oui, tu sais, la psyché, ça a une influence énorme sur la santé. D'accord. Raconte-nous, enfin finir avec ça, Abdelaziz, les maladies qui viennent souvent, qui ont bons résultats avec la naturopathie, peut-être d'autres moins ou. Ben, Voilà, on parlait justement tout à l'heure, c'est pas par hasard que je te parlais des maladies chroniques inflammatoires. Hein. Les maladies chroniques inflammatoires, c'est exactement ça. En fait, si tu veux, la médecine conventionnelle, elle est complètement désarmée vis-à-vis de ces maladies. Et la médecine conventionnelle, elle est complètement inutile seule face à ces maladies parce qu'elle ne fait que gérer la symptomatologie, mais elle ne traite en aucun cas la cause. Et là, si tu veux, en termes de santé, je veux dire, on est au milieu d'une épidémie au niveau de ces maladies. Et si tu veux, au-delà même du problème, comment dire, du drame social, du drame familial, du drame individuel qui se joue vis-à-vis de ces maladies, c'est aussi un drame pour les systèmes de remboursement. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça coûte ou quoi? Mais c'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. Donc, la naturopathie, vraiment la médecine fonctionnelle ou la naturopathie fonctionnelle telle qu'on la propose nous, mais c'est indispensable, on ne peut pas s'en passer pour traiter les maladies chroniques inflammatoires. C'est juste une impossibilité. Tu es obligé de traiter la cause. Tout à fait, tout à fait.
Lazis, pour finir, est-ce que tu peux donner des conseils aux gens pour ne pas déjà tomber malade? Et s'ils ont des maladies, enfin, est-ce que tu peux nous conseiller en 5 minutes? Ouais, ben la meilleure des choses, déjà, c'est d'avoir une alimentation saine. La deuxième chose, c'est de faire de l'exercice. La troisième chose, c'est de rencontrer des gens, tu vois, et de cultiver la joie autour de soi, tu vois, et surtout dans des moments anxiogènes comme maintenant. Comment te dire? Les gens, ils tombent pas malades par hasard, en fait, si tu veux. La maladie, elle se déclare pas du jour au lendemain. C'est quelque chose que tu construis. Et de la même manière que tu peux construire la maladie, tu peux construire la santé. Tu vois? Le tout, c'est de s'impliquer. Mais après, voilà, le problème, c'est que quand tu vas voir cher Google, et cher Google, il a 10 milliards de versions contradictoires. Tu vois? Tu vas avoir des gens qui vont te dire que pour être en santé, il faut boire que des jus verts. Tu as d'autres gens qui vont te dire, tu vois, enfin, il n'y a pas une approche pour tout le monde, tu vois. Mais vraiment, il faut ce que tu disais, je reviens justement par rapport à la prophétie et par rapport au Coran et tout ça, tu vois, on peut prendre Sourate Al-Kahf, tu vois, la sourate de la grotte, quand les compagnons de la grotte, ils se réveillent et qu'ils retrouvent de l'argent, et on leur dit pas, va juste chercher de la nourriture halal, va chercher de la nourriture halal et taïb. Halal et saine, tu vois. Il y a un côté sain. Là, quand tu vois, par exemple, les poulets qu'on mange, là, que tu les vois arriver déformés dans leur cage, qu'ils ont grandi en 28 jours alors qu'il leur faut 3 mois pour grandir. En fait, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Cette société, elle va à sa perte. Il y a un moment donné, il va falloir se replier. Il va falloir revenir à la terre. Il va falloir revenir à cultiver ses propres graines. Il va falloir revenir à avoir ses propres animaux. Il va falloir faire travailler le local, tu vois, les fermiers locaux qui font du bio et tout ça. Il va falloir commencer à éliminer le supermarché, comme tu disais tout à l'heure. Il va falloir commencer à avoir de bonnes pratiques, à penser qu'on n'est pas juste des ventres sur pattes, qu'on est peut-être aussi quelque chose de supérieur à ça, qu'on a un petit peu de spiritualité, peut-être faire rentrer un petit peu de spiritualité dans sa vie, pour ceux qui ne sont pas, qui adhèrent pas à ce genre d'idée, que pour eux, peut-être c'est quelque chose de rétrograde que d'être spirituel. Mais je pense pas qu'on puisse réellement avoir une santé si on peut pas faire un peu de méditation tous les jours, si on a un peu de recul sur nous tous les jours, si on ne boit pas une bonne eau, tu vois. Tu es ce que tu manges et tu es ce que tu bois, tu vois. Et tu es ce que tu fais aussi au final. Si tous les jours tu vas en discothèque et tu te lèves à midi, enfin voilà, tu vois, c'est une approche globale de la santé. Je peux pas donner juste un conseil aux personnes, mais vraiment, ouais, si je peux leur dire, c'est d'être bienveillant. Et bienveillant, c'est être bienveillant vis-à-vis de soi-même, donc vis-à-vis de ce qu'on mange, vis-à-vis de ce qu'on respire, vis-à-vis de ce qu'on boit. Être bienveillant vis-à-vis de les autres, parce que tout est énergie. Donc, ce que tu jettes aux gens, ça va te revenir forcément dessus. Et si tu crées du stress autour de toi, ce stress, il va t'impacter aussi. Donc, tu vois, enfin, voilà. Et puis, être patient. Une des choses qui me paraît indispensable, c'est avoir de la patience. Aujourd'hui, je pense que c'est une des choses qui nous manque le plus. Et moi, le premier, hein, je ne suis pas en train de donner des leçons à quiconque. Je me mets dans le lot quand je dis ça. Voilà. Merci Abdelaziz. Ce que je dis tout le temps, c'est que voilà, hein, ce diable dont je parle toujours, et Allah il l'a décrit comme faible. S'il est fort, c'est pas à la cause de ta belle-mère qui t'a fait, je sais pas moi, le mouchoir du sang écrit de Henna. Non, c'est que toi, tu as laissé ce diable fort. Ça veut dire que tu manges mal, que tu dors mal, que tu fréquentes des personnes toxiques, que tu vas sur des sites, il te dit patiente, patiente. La terre, la vie, c'est une dunya d'épreuves. Regarde les autres et dis alhamdoulilah. Tout ça, il y a beaucoup de mauvaises croyances que qu'on trouve malheureusement chez les musulmans. Je vois des non-musulmans, il a 60 ans, il fait le vélo, il court, alors que toi, tu as 30 ans, et tu es musulmane. Pour moi, ce n'est pas logique. D'accord? Donc, comme l'a dit Abdelaziz, il faut créer des moments de joie. Et il ne faut pas avoir honte d'écouter la musique. Il y a certaines musiques, ce n'est pas toutes les musiques qui sont haram. Il ne faut pas avoir honte de rigoler, voilà. Ou bien de sacrifier sa vie pour autre. Donc il faut toujours cette notion de bonheur qui existe dans notre religion. Allah, qu'est-ce qu'il veut de nous? Allah, il veut la joie pour nous.
Allah, il a dit, Exactement. ana arham ummuk, ça veut dire que je suis plus miséricorde que ta mère. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle veut de toi? Elle veut que tu sois heureux. Donc, pareil, il faut avoir cette notion de joie et cette notion de positivité, d'accord? De distraction positive dans les règles, bien sûr, pour être en bonne santé. Donc, l'approche globale dont je rappelle toujours dans mes cours. Voilà, je ne sais pas, Abdelaziz, si tu vois, tu vois les commentaires ou pas, s'il y a des questions, non? Est-ce que tu vois les commentaires des gens ou pas? Ouais, je pense, je sais pas, je pense qu'on a un peu fait le tour et puis je te rejoins sur le Je dernier terme regarde, que moi, tu as dit, quoi. je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je Il y a suis en peut-être train de la décliner. Roquia, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui te pose une question sur la Roquia. Je suis en train de défiler plus de 100 Bah, juste commentaires. pour meubler, tu vois, tu disais par rapport à la religion, moi je trouve qu'il y a trop de. Ces religieux-là, les néo-religieux ou qui font plus attention au tissu et à la barbe, qui font plus attention au comment dire, à la lettre plutôt Tout qu'à l'esprit, tu vois. Ils finissent par à se fait. scléroser, ils finissent même par ne plus offrir de poupées à leurs filles parce que soi-disant c'est quelque chose qui va les ensorceler ou tu vois. Enfin voilà, il y a des gens qui rentrent dans des extrêmes et comme enfin laissons les gens tranquilles, tu vois. Et moi des fois je trouve qu'il y a même des gens qui vont peut-être même pas prier à la mosquée ou des trucs comme ça, mais en qui je ferais plus confiance qu'à des gens qui sont là au premier rang. Pour prier le Fajr, tu vois. Enfin voilà, il y a tout un tas de différences. En fait, tu vois, il faut regarder la bienveillance des gens. Et en fait, ton meilleur voisin, c'est peut-être même pas un musulman, hein, c'est peut-être juste un chrétien qui est à côté de toi, mais qui sera peut-être prêt à risquer sa vie pour sauver ta famille s'il voit ta maison en feu. Alors qu'il y aura peut-être, Tout tu vois, enfin voilà, ça se définit pas pour moi, tu vois. C'est comme c'est dit dans le Coran, hein. À la fin des temps, il y a certaines gens qui se disent musulmans qui ne le seront pas et d'autres qui ne savaient pas qu'ils étaient musulmans alors qu'ils l'étaient. C'est une attitude, c'est une approche, c'est des gestes, c'est des choses qu'on fait tous les technique. jours. C'est pas venir toujours pointer le doigt vers les gens. Oui, toi t'es pas bien, oui, toi t'es voilà, tu vois. Et c'est vrai que ça me saoule un petit peu. Moi, je préfère un petit peu ma spiritualité, un petit peu seul, un petit peu voilà. Et surtout maintenant avec ces nouvelles mesures là qu'ils mettent pour aller prier dans les mosquées où il faut 2 mètres entre les gens et tout ça. Enfin voilà. Je Tout à pense qu'on fait. est dans un temps où il faut se replier sous les peupliers là où le peuplier, comme dirait mon ami Misa. Misa, c'est un D'accord. rappeur d'ailleurs que je conseille. Tu parlais de musique, je conseille Misa aux gens qui ne connaissent pas le rap. Misa, c'est quelque chose, c'est un extraterrestre au niveau du rap. Il a vraiment des textes qui sont sensés et qui sont réfléchis. C'est un très bon musulman. Tu vois. Tu parlais de musique, il y a des gens qui te diront, fais de la musique, ah, machin, là. Voilà, moi, je parle de ce genre de personnes. Voilà, quand on revient au point de début, tout est simple. Allah, il a créé notre religion simple, facile, la religion de modération. Il a créé toute chose vivante dans son état original. Regardez le bébé, comment il est né. Il est dans un état impeccable. Il fonctionne bien. Plus il grandit, plus il devient malade. C'est nous, c'est notre. Voilà, on n'arrête pas de faire mal, on n'arrête pas de nous rendre même nous malades. Donc voilà. Et on parlait à la fin avec Abdelaziz du cœur. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a un organe dans le corps humain. S'il est sain, tout le corps sera sain. Ça veut dire non, voilà, à l'hypocrisie, non à la haine, non à la médisance, à la rancune, à l'égoïsme. Tout ça fait des maladies, comme vient de le dire Abdelaziz. Je suis surpris. Ils me disent que voilà, les gens qui se voient, qui sont meilleurs. Toi, crains Allah, etc., des barbes, etc. C'est des gens qui peuvent attraper des maladies parce que quand le cœur il est pas bon, tout le reste est pas bon, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, malheureusement, on ne peut pas encore rester, malgré qu'il y a peut-être des questions, mais Abdelaziz va essayer de répondre, Inch'Allah, sur ma page, sur vos commentaires, pas Ouais, s'il y écrit. a des questions, je reviendrai dessus, Voilà, Inch'Allah. Après, il ne faut pas faire voilà. trop long parce que ça va durer 2 heures. Voilà. Les gens, ils n'auront peut-être pas le temps d'écouter cette vidéo, à moins qu'ils soient en voiture et qu'ils l'écoutent en voiture. C'est le seul Voilà, endroit où tu peux vraiment écouter merci. ton ami. Voilà, merci à Blasi, c'était très Bon, en tout riche. cas, ouais, moi, pareil. Je te Je suis remercie très beaucoup. content. Je te remercie Voilà, beaucoup pour ton ouverture d'esprit. merci à toi aussi. Hein. Donc, vous C'est voyez, très on gentil de se. m'avoir accueilli. Voilà, ça colle, quoi. J'espère que dans le futur, on aura ce rêve de clinique holistique où Eh le bien, va patient savoir. passe Tu sais, d'un on n'est pas très appris à loin en un être plus. Hein. Moi, humain. je suis à Avignon. Je suis à Avignon, donc on n'est pas très loin. Hein. On est à côté. Donc ça sera au milieu vers Nîmes. Non, c'est pas Nîmes. Non. La future clinique sera au milieu.
Vers Non, mais entre toi et moi, il n'y a pas grand-chose. Il y a 45 minutes. Hein. Ce sera ou chez toi ou chez moi. Oui. Inch'Allah Abdaziz, j'espère que voilà, que Allah nous donne la sagesse, il nous donne la patience et Amen. la sincérité. Amen. Je remercie tout le monde et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allez, continuez à la place là. Au revoir. Au revoir.